bonjour. Bonjour la Taco Academy. Bonjour le Germiland. Bonjour tout le monde. Comment ça va ce samedi matin? Quel plaisir de vous accueillir sur les terres de la Taco Academy. Il fait un peu plus d'aujourd'hui, hein. Du coup on va se mettre à l'intérieur, on va s'installer. Ça va faire du bien. Bonjour, 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 bonjour. Merci pour votre patience et bienvenue pour cette 18e session de la Taco Academy. Merci à toutes et tous d'être aussi nombreux et aussi nombreuses. Aussi nombreuses, bien sûr. Ça fait trop plaisir. Incroyable. Incroyable. Bonjour Francis, monsieur Taz. Salut ma Monique. Bonjour Zami Matero. Zami Matero, oh là là, ce début de soirée pour toi. Incroyable, tu viens faire du japonais avec nous. Vas-y, installe-toi. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Salut Celdron. Bonjour Missilia. Comment vas-tu, Missilia? Comment ça va? Fiwai aussi qui est là, qui est avec nous. Salut Fiwai. Emma Opaline. Bonjour Emma Opaline. Bonjour. Comment ça va? Comment ça va? Ma Monique! Il y a la forme aussi, ma Monique. Blenils aussi. Comment ça va, Blenils? Crystal qui est avec nous. Crystal, on en parle? Non, non, mais c'est quoi ce temps là? Qu'est-ce qui se passe là? Attendez, moi je suis pas prêt à ça, hein. Moi j'ai pas voté ça, hein. J'ai pas voté ça. Et Bush, le sub offert à Celdron, incroyable. Merci Bush. Arigato. Arigato, 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 Bush, j'espère que tu vas bien, comment ça va, comment ça va? Ninja Alex aussi qui est là, Ninja Alex aussi qui est là, Cloto aussi qui est là, salut ma chère Cloto, Missilia, sous la pluie, tout va bien, ouais, bah Missilia, t'as vu la pluie qui fait là, c'est incroyable, là on a deux jours de pluie, là on va être, on est aux anges, hein. Voilà, la team du sud là, bien sûr, hein, allez-y, envoyez des émotes là, les sud-est, tiens, la team Côte d'Azur, Emma Opaline, j'espère que ça va pour toi aussi. Attendez, je remonte. Celdron, Crystal, Fiwai. J'ai loupé personne, je crois. Je crois que j'ai loupé personne. La team Côte d'Azur, voilà. Incroyable. Moi, j'ai sorti le pull, hein. Ça y est, il fait moins 8000 et tout. J'ai dit, c'est bon, quoi. Oh, oh. On va pas déconner non plus. Un froid un peu trop présent, si vous voulez mon avis. Mais bon, ça, malheureusement, voilà, ça, on n'y peut rien. Ça s'appelle l'hiver. Cilia, coucou tout le monde, coucou toi, Cilia. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Vous êtes prêts pour la nouvelle session d'Attaco? Prêts pour la 18e session d'Attaco Academy. 18e. 1, 8. Pouf. Hop, vous vous souvenez comment on dit 18 en japonais? Hop, interro! 18 en japonais, let's go, on révise ça. 18 en japonais, envoie-moi ça là. J'attends. On dit incroyable, tout à fait Celdron, tout à fait. Ok. Quoi? One guy Shimasu? Qu'est-ce que dit Cilia? Est-ce que quelqu'un parle Cilia, s'il vous plaît? Oh là là, je vois des bonnes réponses dans le chat. Oh là 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 là. Pff. Oh là 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 là, ça fait plaisir. Son desne. Du hachi des. Du hachi. Eh oui, oui, 18e session d'Attaco Academy. 18e session d'Attaco Academy. On est allé beaucoup... Non. Pour ceux qui étaient là, celles et ceux qui y fut, n'hésitez pas à dire si vous y êtes futé. Celles qui ont connu, celles et ceux qui ont connu les Back to Basics, on allait plus loin que les Back to Basics. On allait encore plus loin que les Back to Basics, c'est incroyable, c'est vraiment... Moi je suis épaté. Je suis épaté par tout le monde, par votre progression les amis, par les personnes qui progressent en japonais avec moi, avec vous, avec la commu, c'est... Je... Voilà, voilà, incroyable, incroyable ce qu'on a réussi à faire. J'y fus, nous dit Cloto. Oui, oui, toi tu y futais, et toi tu faisais partie des gens qui me disaient « C'est quand le prochain Back to Basics? C'est quand ?» Et ben Opaline aussi, toi aussi t'y futais, toi aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, on se souvient. On se souvient, les replays d'ailleurs sont disponibles sur YouTube. N'hésitez pas un seul instant. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud là? Midi, c'est parfait là, je pense, pour attaquer du japonais, quoi. Ah! Onegai shimasu. Ok. Onegai shimasu. Onegai shimasu. Soit donc onegayant, onegayante.
Qu'est-ce que je disais là? Oui, l'Attaco Academy. L'Attaco Academy. Le vendredi, vous savez qu'il se passe un truc au sujet de l'Attaco Academy, c'est que je vous partage la fiche récap de une fiche récap sur le compte Instagram. Est-ce que vous avez vu la fiche récap sur le compte Insta? Insta, elle est là. Dans le chat, là, hop. Et hoppa, hoppa, le petit synthé là qui pop. Let's go! Let's go, let's go! N'hésitez pas! Ah oui, j'ai découvert le Germiland avec les Back to Basics. Les petits samedis matin, Grassmat Crossing X, le live de Germi. Le lendemain des ateliers, c'était le feu, putain, tu m'étonnes! Ah ouais, 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 le petit réveil tranquille, là, posé, là, boum, let's go. A Back to Basics 2, c'était mon deuxième fois. What? Sérieux, tu t'en souviens? Eh, Mopani, tu te souviens de ça? Waouh, incroyable. Back to Basics 2? Waouh. Je sais plus quand est-ce que j'ai commencé les Back to Basics. Mais, what the fuck? Eh, Mopani, deuxième session Back to Basics, t'étais là. Attends, mais au reboot des Back to Basics ou à l'original? Parce que, oh, l'original Back to Basics, oh, c'était... Oh, 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 c'était... Ah, c'était du fait maison, hein. Mais genre du fait maison, c'était du Tezukuri, hein. Mais Tezukuri plus, hein. Avec le vieux PDF à l'écran. Pouah, là, là. Oh là 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 là, oh putain. Ah ouais, ça nous rajeunit pas cette histoire. Hein. Et aujourd'hui, voilà, voilà. Aujourd'hui, vous savez ce qu'on fait. On fait l'Attaco Academy. On fait des trucs de dingue. Bah d'ailleurs, vous les avez sur l'Instagram. Hein. Hop, je vais vous montrer. Vite fait. Tac. Tac. La dernière fiche récap, elle est là. Tadam! Let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go. Je vois qu'il y a déjà 16 personnes qui sont passées dessus. Merci pour votre soutien, merci pour les petits cœurs, merci pour les petits mots doux. Ça fait plaisir, c'est ultra, ultra, ultra important. Merci, merci pour toute la force que vous envoyez autour du projet. Merci beaucoup. C'est vraiment, vraiment, merci beaucoup. Merci, merci infiniment. Merci infiniment. Bon, on va essayer de faire ce stream. On va essayer de le finir aussi, ce stream. Un peu la petite crévounette. Mais bon, ça va aller. Ça va aller. Oui, je m'en souviens, c'était deuxième fois. C'était la deuxième fois où je participais à un stream du Germiland. Je pense que c'était un Back to Basics 5 ou 6. Ok, d'accord. Ah ouais, c'était 5 ou 6. Oh, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça a commencé à se roder à ce niveau-là. Cette fois, j'ai mis l'iPad en charge. Donc c'est bon. C'est bon, là. Je devrais avoir de la... J'aurais avoir de la batterie pour vous faire tout le stream. La semaine dernière, c'était une course contre la batterie. Entre ça et le malfaisant stylé, là, on aurait dit un matos des enfers. Hop. Est-ce que vous êtes prêts pour lancer l'Attaco Academy? J'ai repris le japonais activement. Après, donc, je me souviens. Putain, c'est ouf. Et Mopaline, c'est... Non, sérieux, c'est un peu les Back to Basics qui t'ont donné envie de te relancer, de reprendre ça? Putain, c'est énorme. Attends, si c'est ça, c'est énorme. Attends, hop. Trop lancé, drôle. Hop, pardon. Hop, j'ai eu un retour qui est revenu dans le retour. Le retour du retour, terrible. Let's go. Ah, trop bien. Oui, sérieusement, putain, trop fort. Putain, c'est énorme. Mais ça, on s'en rend pas compte, nous, que voilà, il y a des... Il y a des choses comme ça qui se font et c'est un peu grâce à ce qu'on fait, quoi. Donc franchement, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Hé, Léo qui est là. Salut, Léo. Comment ça va? Comment ça va? Hop. On a Attaco Academy numéro 18 déjà. Attendez, je prépare la petite paginette. On va commencer par une petite révision. Bref, brève, très brève. Hein. On va faire du très, très bref ce matin autour de ça. En avril. Oh, qui débarque en avril. Coucou, toi. Comment ça va? Bonjour tout le monde, je me fais discrète pour redécouvrir le cours. Bah, installe-toi en avril, installe-toi. Ça fait plaisir de te voir ici, merci beaucoup. Merci pour ton follow, merci pour le soutien et bienvenue à toi, une amie qui débarque directement de chez Cloto. Bien sûr, Cloto qui n'a pas manqué de parler de la session du jour et qui travaille dans l'ombre activement avec moi pour proposer un contenu incroyable. Arigato! Arigato gozaimasu! Arigato! Allez, let's go. Let's go. On va commencer la session. Vous êtes prêts pour danser la session là? Allez, je veux voir du Taco Academy là. Allez, 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 allez. Le petit mur des mottes là, il est où là?
Faites-moi popper tout ça. Faites-moi popper tout ça. Oui, voilà, et Cloto qui ne manque pas de rappeler le Discord, parce qu'effectivement, l'Attaco Academy, ça va se passer sur le Discord également. Crystal, merci pour le soutien. Le Insta, bien sûr, hein, voilà. Voilà, les réseaux, de toute façon, hein, voilà, vous les connaissez. Insta, Twitter, Discord, bien sûr, tout ça. Incroyable, le mur des modes, putain. Faites rêver, là! Let's go! Incroyable. Ichoni, qui m'a chourné? Let's go! On va commencer, comme d'hab, avec une petite mise en bouche. Petite mise en bouche. Petite mise en bouche, aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on faisait du Kenji. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on faisait du Kenji, donc ça va être du Kenji. Oh, j'ai pas eu le temps de répondre à tous vos gentils bonjours, mais tu peux le faire de manière générale en avril. T'inquiète pas, on va pas se formaliser. N'aie aucune crainte, tout va bien. Tout va bien. Attendez, il faut que j'actualise ce sub-goal, parce que Bush a envoyé un sub, il me semble, il a pas été compté. 690, boum, incroyable. Incroyable. 690. Bientôt 700. Bientôt 700. Bientôt 700, voilà. Bientôt 700. Si on dépasse les 800 aujourd'hui... Vas-y, on se fait un petit gage. On se fait un petit gage sub-goal, tiens. À chaque fois, on se dit ça. Au début d'un stream, on dit si on atteint la centaine suivante, mais genre la centaine bien entamée. Si on atteint les 800... Qu'est-ce que je ferais au Japon, là, si on atteint les 800 aujourd'hui? On fait une connerie au Japon. Tiens, on fait une connerie au Japon. Ah, ça, attends, je vais d'avoir une idée là, mais celle-là, je la garde pour un autre sub-goal. Oh, je sais. Avec la moustache. Ah, t'inquiète, Mamounique, la moustache, elle va arriver au moment où tu t'y attendras le moins. Déjà, on remplit ce sub-goal et après, on parlera de la moustache sérieusement. T'inquiète, Stop. Monique. Quel con. Oubliez. Je sais plus où me foutre. Ok. Ok. Je sais plus ce que j'allais dire. Oui, tiens, voilà, bah tiens. La Monique. JPP. Attendez, faut que ça passe. Voilà. Si on atteint la centaine suivante, les 800, si on atteint les 800 aujourd'hui, je mange un curry épicé au Japon. On va dans une boutique et je prends un curry épicé et j'essaie de le manger. Allez, let's go. Voilà, c'est le défi. On va sur le bonbon pas bon supérieur. Voilà, si on dépasse les 800 aujourd'hui, c'est valable qu'aujourd'hui, hein, c'est une exclusivité. Voilà, le bonbon pas bon qui pop. Merci, Cilia, arigato. C'est une exclusivité du jour. C'est valable qu'aujourd'hui, messieurs, dames. Que aujourd'hui, au Germiland, il y a un truc incroyable. La promo est exclusive aujourd'hui au Germercredi, putain. La promo est exclusive, elle est valable qu'aujourd'hui au Germiland. On fait péter le sub-goal. Le sub-goal, il dépasse les 800 aujourd'hui. Je vais dans une boutique japonaise là de curry. Je prends un curry épicé. Un curry épicé goût raisin, même si vous voulez. Let's go! Et on fait ça en stream. On fait ça en live. On verra ça en live. Voilà. Allez, hop, c'est dit, c'est parti. Let's go. 691. Bush! Let's go. Rod, il en manque 109. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Oui, tu t'engages que... Alors, voilà, exactement. Cloto, tu seras avec moi. Bien sûr, tu seras avec moi. Cloto, toi, tu feras le commentary. Toi, tu seras commentary. Nous voyons Jeremy en train de déguster une... Oh là là, la goutte de sueur qui est en train de perler. Et tout. Pourquoi je prends un accent, je sais pas. Bâton PB, c'est mort, Cilia. Je vais l'enlever. Faut que j'enlève. Putain, excusez-moi. Non. Il n'y a pas de bâton PB le samedi. Je vais te rembourser, Cilia. Attendez. Ah, les points de chaîne. J'ai oublié de le faire. Terrible. Cilia, je te rembourse.
Je te rembourserai ce soir, hein, j'ai pas le temps. Tac, bon, pas bon, il reste, bien sûr, ça c'est bon, titrez-moi ça, Sakana, ouais, Prout Atomique, je vous le laisse, bien sûr, Défi 36-15, personne ne le lancera jamais. Le fail, GG et tout, voilà, désolé Cilia, j'ai oublié de l'enlever, mais t'inquiète, je te rembourse tout à l'heure. Tout à l'heure. Donc oui, ça n'engage que moi, et bien sûr, voilà. Let's go les 800, oui, oui, Doksha, 800, aujourd'hui. Là, je cut le live dans 3 heures, dans 3 heures. S'il y a marqué 800, plus de 800, ou 801, ou 802 sur 1000, ok. Mais sinon, c'est mort. Lundi, ça passe plus. Curie des enfers. Voilà, exactement. Curie des enfers. Bon, je vais pas prendre un truc qui va me rendre malade non plus, qui va me faire... qui va me... Voilà. Mais déjà, moi, je... Alors, déjà, il faut vous dire une chose, c'est qu'un truc curie à peine épicé, j'ai du mal. J'ai du mal. Donc, voilà. C'est fait, Cilia, tu rembourses. Putain, Cloto, t'es adorable. Merci beaucoup. Merci de l'avoir déjà fait. Merci beaucoup. Et merci Bush pour le sub offert en avril. Arigato gozaimasu. Et bonjour à toi, ma chère Erna. Bonjour, bonjour. Je suis un peu en retard sur le chat. Merci. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mange deux bonbons, pas bon, ça le fait. Quoi? Ah, non, non, que dalle. Que dalle. Hop. Par terre. Ah, c'est le jeu maintenant avec ça, c'est... Putain, le Doksha, la tête que j'ai sur ce clip. En plus, je passe mon lioc. Ah, et Bouchon, il s'est barré. Bouchon! Le Bouchon, il s'est barré. Terrible. Malfaisant Bouchon. Bonjour, Super Marsouin. Mais qu'est-ce qu'il veut, ce truc? Ah putain, je mets dans le mauvais sens. Allez, c'est bon. Ok, comment ça va Super Marsouin? Comment ça va? Comment ça va Super Marsouin, Doksha, Erna, comment ça va les amis? Bienvenue, bienvenue pour la nouvelle session d'Attaco Academy. On attaque là, vous arrivez au bon moment. Tiens Doksha, tu vas prendre des kanji avec nous. Tu vas prendre des kanji, let's go. Premier kanji, je vous donne un kanji, vous me dites ce que ça donne. Si jamais vous savez pas ce que ça veut dire le kanji, ou vous dites, oh là là, attends, ça, j'ai du mal à comprendre, n'hésitez pas à passer sur le Insta en attendant, bah, vous allez peut-être comprendre quelque chose, à lâcher votre petit cœur sur la dernière publication. Partie. Ah, premier kanji. Premier kanji. Premier kanji. Doksha, il clip screen tout. T'es foutu, Jérémy. Mais je ne suis pas foutu. Je l'assume. Je le dis. Je le fais. Moi, Jérémy du Jérémyland, si aujourd'hui le sub goal dépasse les 800, 800 ou plus, tiens, je le dis, hein, 800-0-0, c'est bon. 801, c'est bon aussi. Etc, etc. Si aujourd'hui on finit le stream à 800, c'est stream direct du Japon avec Curie épicé, Cloto qui sera là pour me filmer, faire le commentary, fera comme elle veut, c'est elle qui gérera ça, et bien sûr, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Voilà. C'est bon? Est-ce que les termes sont posés? Est-ce qu'on est bon là-dessus? C'est le kanji de l'Astérix. Ouais, il est un peu... Attends. Tac, tac, tac. Ah, c'est un peu mieux comme ça, Itokatsu? Et bonjour à toi, Itokatsu. Oui, bien sûr, vous avez reconnu le kanji de l'eau. Ah bah non, Cristal. Bah oui, bah attends, c'est le défi, attends. Eh oh, c'est le défi, bah oui, Cristal. Non, faut pas juste 10. Non, pas 9, là. Mais 5 par-ci, 2 par-là, 3 par-là, 15 par-là, etc. Eh, au final, ça en fait beaucoup. C'est avec les petites choses. Regarde, là, on est 30, t'imagines? T'imagines? Fais le calcul. 2 subs par personne, t'es déjà à 60. Bam! Putain, les maths, incroyable. Tu vois, comment ça va? Putain, Doksha! Doksha! Let's go, les 5 subs! Allez! Et ça part de là. Oh putain, ça part de là. Ok, ça part de là. Ok, il part de là. Ok, ça marche. Ça marche. Tu peux mieux tracer tes kanji. Cilia, j'étais en train de me dire la même chose. Regarde, on va regarder comment il se trace le kanji.
Mizu, bien sûr, vous avez reconnu le kanji de l'eau. Vous avez reconnu le kanji de l'eau. Ok, et là, il est pas bien fait. Bon, je l'ai dit, sub bon, qui tout double. Qui tout double. Incroyable. Et Ninja Lex, c'est... Les quoi, les combien, les 500 bits? Incroyable. Oh putain, le train de la hype. Allez, allez. Ok, 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 ok. C'est bon, là, ils sont partis, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'ai fait un clip... Attends, un tweet rigolo. Oh bordel! Oh trop bien! Vas-y, casse-toi le train là! Attends, Clotho elle a posté un truc trop bien! Vous êtes des fous là! Attention, le sub goal il s'actualise! Boum! 706! 10 subs offerts à la communauté Bush. Arigato gozaimasu. Merci beaucoup pour Baptiste, Maxi. Oh putain, incroyable. Alexandre, Eclipse, Saucisson. Et bah putain, les Bush! Je vais l'avoir, mon curry, putain. Incroyable. Lessa, Atetsu, Zul Calibur, incroyable. Et Matt aussi. Ninja Alex, les 500 bits. Arigato gozaimasu. Bush, putain, il recommence. Ah, Road to Freedom, qui... Putain, Road to Freedom, un des premiers follow de la chaîne aussi. Oh, incroyable. Incroyable. Pff, double. Putain, mais... Toi, je te suis la prochaine fois. On refait la même chez Clotho, là. On refait la même. Le train de la hype est déjà niveau 6. Ok. On se dit quoi, là? Alors, on se dit déjà ça. Voilà. Ah non, vous mettez pas dans la merde. Hein. Ouais, monsieur Taz. Non, non, te mets pas dans la merde. Je suis là. J'étais derrière le panneau, vous m'avez vu, j'espère. Vous m'avez vu derrière le panneau. Incroyable. Putain, voilà, du coup, je sais plus où on en est. Voilà, niveau 6, ok, let's go. Incroyable. Un sub goal à actualiser, là. 716. Je vais me prendre un curry, moi. Je vais m'entraîner, hein, je vais m'entraîner. Putain, en plus, je crains tellement, ça. Oh, tellement, putain. Tellement... Oh, le curry, putain, ça... Clotho, prépare-toi à faire ton meilleur plan de moi. Hein. Les meilleures larmes qui vont couler, c'est... Oh, ça va être horrible. Ça va être horrible. Alors, du coup, attendez, j'étais en... Ah, mais merci de le reposter. Doksha a fait un incroyable tweet rigolo sur le Germiland. Pour ceux qui veulent retweet et follow, d'ailleurs, en même temps, le compte de Doksha, n'hésitez pas à foncer. Putain, mais Doksha, t'as fait quoi? Attends, je vais aller voir. Je vais aller voir de ce pas. Curry, niveau 10. Putain, je sais pas, monsieur Taz, mais franchement, déjà, moi, curry... Déjà, quand je prends le curry doux au Japon, j'ai une petite larme qui coule. Hein. J'ai le nez qui se débouche et... Ah ouais, je... Donc, même un curry niveau 3 ou 4, je crois que je suis en PLS, hein. Mais genre la PLS de l'autre monde, hein. Clotho sera occupé à manger un délicieux curry doux. Je confirme, quand on a mangé du curry épicé à Paris avec Doksha et Jeremy, il est en PLS. Il était même pas épicé, mon curry! Il était même pas épicé, mon curry! C'est ça le pire. Doksha était là. Oh oui, c'est très très sapide et tout. Clotho était là. Oh oui, une sapidité incroyable et tout. Et moi j'étais là. Un débouchage de nez, quoi. C'était du desktop pour moi. Desktop nasal. Oh! Quoi? Oh, Doksha! Oh, le clip! Oh, Doksha! Oh, putain! Il paraît que si Germiland atteint 800 subs aujourd'hui, il mange un curry EPC plus au Japon. Venez! Alors, ok, bon. Écoute, je suis beau joueur, ça RT et ça like, hein. Incroyable. Et salut, Swam. Comment ça va? Oui, t'es à peine épicé, il en mangeait banal, Jeremy, il avait les larmes, ouais, putain, de ouf, de ouf. Ah, ça m'a débouché, le hémorragie oculaire. Incroyable. Incroyable. Et Lessa aussi qui est là, merci à Bush pour le sub, merci beaucoup. Et bienvenue tout le monde, bienvenue. Vous êtes au cœur de la session de la Taco Academy, enfin, qui est censée avancer. Et là, c'est parti en cacahuète sur un truc, voilà. Partir en cacahuète sur un truc, c'est qu'on a un sub goal pour partir au Japon. Ah, les amis, on est en train de travailler là-dessus. Et j'ai dit que si aujourd'hui on atteignait cette étape dans le sub goal, là, c'est-à-dire qu'on si on dépasse les 800 aujourd'hui sur ce stream-là, eh ben j'ai un défi, c'est qu'une fois là-bas au Japon, je dois commander un curry épicé et le manger en live avec vous.
Voilà, et je peux vous dire que l'épicerie, j'allais dire, le truc épicé et moi, ça fait deux, et Doksha et Cloto peuvent le confirmer, parce que c'était il y a pas si longtemps que ça, non? C'était il y a quoi, deux, trois semaines, non? Deux, trois semaines, on s'est croisés au détour d'une pérégrination parisienne, et du coup, effectivement, on a tous mangé un curry japonais, curry doux, hein, je tiens à le dire, et moi j'étais en PLS. Voilà. Eux ils étaient là, tranquille, et moi PLS mais fort. Let's go. Bon, le premier kanji, oui, vous avez reconnu, c'est le kanji de l'eau. Kanji d'eau, mais il était pas si dégueulasse que ça, mon kanji, regardez. Ça va, oh. Vous avez un exemple de mot avec lequel on pourrait utiliser ce kanji? Est-ce que vous avez des mots avec ce kanji? Est-ce que vous avez des mots avec ce kanji? Oh bordel! L'impression de sentir déjà le piquant. Suiyobi, oui, par exemple, Crystal, exact. Exact. Pic. Merci pour le train de la hype, incroyable. Incroyable ce train de live. Merci beaucoup. Merci Bush. Merci Ninja Lex. Merci Doksha. Merci Bush. Vous trois, vous êtes énervés comme des dingues. Incroyable. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Oui, Léo. Tout à fait. Sui. Alors, attends, j'ai un doute sur la prononciation. Comme vous entendez, le livreur est un peu énervé. Je vais lui ouvrir. J'arrive. Doksha, voilà, pas d'aide. Tranquille, y a pas le Kotoba aujourd'hui. non, tranquille. Ah, le Kotoba, c'est Koto Chill aujourd'hui, je me le garde. Je pense que ce soir, tu sais quoi, quand je vais me mettre là, quand, tranquille, là, hop, poser là, sortir mon tel, faire mon petit Kotoba en soirée, là, hop, en mode bien chillax. Ça va être bien cool. T'as, Doksha, tu me fais hurler de rire là avec ton tweet. Incroyable. Bon, bah écoute, hein, on va voir, hein. Lui, il a envie que je bouffe du curry, hein. Bah, à mon avis, il va pas tomber, hein. À mon avis, je suis safe, hein. Moi, je dis, je suis tranquille. Le Taco Master, par contre, il est en train de prendre sa claque. Ça fait plaisir. Alors, la natation, Sui-e. Ah, nous proposait Rémi Matero. Mizugi, voilà, j'avais un doute sur cette prononciation-là, Mizugi. Oh, putain, la morve. Hana Mizu. Ok. Classe. Ah, merci Tokatsu. Merci Tokatsu. D'ailleurs, c'est la saison de la Hana Mizu. Voilà. Pas d'aide. Bah non, pardon, c'est pas aujourd'hui. J'adore. Je m'en kanji. Ok. Suiyobi. Arigato gozaimasu. Merci Crystal. Merci beaucoup. Suiyobi aussi pour Emopaline. Ok. Cool. Nice. Parfait. Parfait. J'étais en train de prendre mon 4 couleurs pour écrire sur ma tablette. Ça lui a pas plu du tout. Ok, let's go. On s'en fait un suivant. Le suivant que je vous propose, c'est celui-ci. Voilà, le deuxième kanji du jour. Il est là. Qu'est-ce qu'il veut dire, ce kanji? Comment vous le lisez? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Oh. Ouais, ça peut être une de ces lectures. Ouais, tout à fait. Le sens général du kanji aussi. Ouais, voilà. Le feu, exact. Ouais, tout à fait. Missilia propose le feu. Crystal propose le feu. Mopaline aussi propose le feu. GG. Hana Mizu. Hana, c'est le nez. Hana. L'eau du nez.
m'intrigue ça. Le mucus nasal, ah ça c'est bien. Ah oui, c'est le nez. Hana, ok. Cool. Hi, feu, yes! Bras droit et pas à l'envers. Qu'est-ce que... Alors regardez, on va regarder le feu. Ça se prononce aussi hi. Le feu. Oui, ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, ouais, tu peux le... Oui. Attends, on va aller faire... Ça c'est marrant, moi j'ai toujours fait comme ça. Ah ouais, en fait j'ai fait à l'envers, c'est très... Bon, en tout cas on l'a compris, c'est quand même le plus important. Donc on a quelques lectures autour de ça. Ka, hi, bi ou ho. Et ça vous donne quoi dans la construction de mots avec ça? Vous avez des idées de mots que vous construisez avec ça? Ah, je l'attendais, celui-ci, Léo. Un terme que je trouve poétique, je le trouve tellement, tellement cool. Le hanabi. Hanabi. Littéralement, les fleurs de feu. Le feu d'artifice. Hibana. L'étincelle. Oh. Ah, c'est marrant, ça. Hanabi. Feu d'artifice. Hibana. L'étincelle. Kazen. Le volcan. La montagne de feu, littéralement. Joli. Kayobi nous propose Crystal aussi pour le mardi. Celdron aussi parle de Kayobi. Missilia, Léo, Zérémy. Vous êtes aussi sur le feu d'artifice. Trop bien. Trop trop bien. Ouais, j'aime beaucoup le feu d'artifice. Hibana, je connaissais pas ça. Ça, je connaissais pas. Il y a Zubal, salut, comment ça va? Alors là, je sais pas ce que t'as écrit. C'est du chinois ce que t'as marqué? On dirait que c'est du chinois ce que t'as marqué. Ah zut, je voulais mettre Hibana aussi. Ah, t'as été rattrapé par Zérémy Matero. Katon! Gokakyu no Jutsu! Premier rêve de la journée. Voilà, on la voit cette rêve, on la sait. Ah, et si vous voulez une belle image du feu, vous avez celle-ci, hein, voilà. Voilà, le kanji du feu illustré par Mamounik qui vient de m'envoyer ça. Effectivement, là, on a un kanji en feu, là. Effectivement. Merci, Mamounik. Technique de Naruto, mes premiers mots de japonais. Ah, on a tous eu une manière d'entrer sur la langue japonaise, et effectivement, souvent, les animés peuvent être une porte d'entrée assez commune. La brûlure. Yakedo. Ok. Yakedo. Kanji Kega, de blessure. Blessure de feu, c'est ça, Itokatsu? Fais voir un peu. Yakedo. Yeah. Ah merde, j'ai tapé ta. Yakedo. T'as les deux kanji. Feu, bleu et sûr, d'accord, ok. Et ça, c'est quoi? Faire mal, ça se prononce comment? Kizu. Ah non, pas du tout, je connaissais pas. Kizu, ouais, bien vu, Léo. Exactement, Kizu. Exactement, t'as la bonne prononciation. Kaji, le feu, l'incendie, effectivement, Kaji. Kaji. Kajida! Kajida! Des fois, vous entendez ça, non, dans les animés? Kaki? Kaki? Comme ça? Kaki? Ah oui, on est sur les armes à feu, waouh. Ouais, armes à feu, exact, ouais, je viens de le trouver là. On reprend encore le kanji du feu, hein, effectivement. C'est vrai que mon but était d'atteindre... C'est vrai que mon but c'était d'atteindre un niveau suffisant pour lire les databooks Naruto, vu que Kana n'a pas décidé à les publier en France. Ah, n'a pas l'air décidé à les publier en France, ok, d'accord, ah ouais, terrible. Terrible. Voilà pour ce kanji du feu. Et on termine avec un dernier kanji.
On termine avec un dernier petit kanji. Oula, ça c'était un très très droit, Jérémy. Bien vu. Attendez, on recommence. Hop, let's go! Let's go, martien, martienne! Pourquoi Twitch, il dit que c'est un lien? T'as mis un .ne, mon dieu. Mais ça existe des sites internet en .ne? Allez-y, allez-y, je vous laisse quelques instants avant de lire vos réponses dans le chat. Le poste de Doksha qui se met en avant dans le Discord. C'est tout ? Arbre, 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 qui ? Yes, exact, exact, on parle de l'arbre. Qui ? Il est là. Est-ce que vous avez des associations avec ce kanji ? Qu'est-ce que vous avez comme moi à proposer autour de l'arbre ? C'est drôle, on s'attendrait à trouver le kanji du feu dans le mot pompier, mais pas du tout. Par contre, j'ai appris un mot et j'aime beaucoup la combinaison de kanji en question. Tu veux nous partager ça, Cloto ? Mokusei, Jupiter, la planète Jupiter. Ok, Mokuyorbi, Cristal, bien sûr, je tous avais. De toute façon, en même temps, j'ai un peu choisi ça comme ça. Oui, pour parler de mardi, mercredi, jeudi. Ok, Celdron apporte déjà un premier élément de réponse. Parce que Cloto a nous proposé. Moi, j'ai trouvé ça. Shoboshi. Ah, le premier kanji, c'est le kanji d'effacer. Celui que vous retrouvez dans Keshigomu, par exemple, hein, la gomme. Ah, c'est mignon, Cristal, le coton. C'est très mignon. Tu aurais la proposition. Pardon. Est-ce que tu peux nous proposer la lecture de ce kanji ? Le classique. Komorebi. La lumière du soleil filtrée par les branches. J'adore. J'adore quand en japonais on a des mots comme ça qui signifient, qui donnent une idée, qui donnent un truc comme ça. Je surkiffe. J'en surkiffe. Éteindre, protéger, gentilhomme, samouraï. Un gentilhomme qui éteint pour protéger. Ah, c'est ça, j'aime bien. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ah oui, éteindre caisse aussi. Momen. Ok. Ok. Fais voir un peu. Moku, goku, ki, go, je suis obligé de me pencher comme ça pour lire mon iPad. La vue est pas très vidéo, pas très broadcast, la vue de mon crâne. Ok. Ok, c'est cool. Trop bien. Qu'est-ce qu'il veut ? Qui ? Ah ! Je l'ai. Ki son le snorki. Ouais, c'est Rémi. Ki son le snorki. Ki Miki. Konoha, la feuille d'arbre pour rester dans Naruto. Ok. Konoha, c'est vraiment la feuille d'arbre. Tu peux utiliser ça pour n'importe quelle feuille d'arbre. Ça passe. Je parle du nez, je suis désolé, c'est ce rhume là qui est en train de me faire un rhume, quoi. Ok, qu'est-ce qu'il veut lui ? À quel ? J'ai mangé le bonbon pas bon ? Oui, j'ai mangé le bonbon pas bon, il était pas bon. Saku
Alors, Sakura na Miki. Une allée de Sakura. Oh, joli. Ah, oh, tiens, c'est marrant. Ah, oh. Oh, attends. On a le premier kanji, c'est Sakura. Le deuxième kanji, c'est aligné. Aligné, rangé. Comment on dit déjà? Ah, c'est quoi ce verbe qui est utilisé avec ce kanji déjà? Oh, Itokatsu, au secours! Au secours! Ah, je m'en souviens en plus quand je l'apprenais, je disais ça, c'est le kanji de Brivante de Camp parce qu'elle aime bien que tout soit bien rangé et bien aligné comme ça. Et ensuite, l'arbre. Donc littéralement, Rin. Narabu. Narabimas. Merci Léo. Merci Léo. Itokatsu, lui, ils ne mettent pas. Hein. Mokusei. Composé de bois en bois. Ah. Mokusei. Omoshiroine. Bokken. Ah, Bokken, c'est l'épée en bois, le sabre en bois utilisé au kendo, si je dis pas de bêtises. Hein. Yasubal, tu me confirmes? Hi. Ah, arigato. Allez, gâteau. Merci pour vos partages de mots, là. Trop cool. C'est très sympa. Petite mention spéciale pour Aït Sakura et pour Pompier aussi. Hein. Pompier, génial. Très, très bon. J'avais pleine confiance en ta mémoire. Ah, faut pas trop, des fois. Faut pas trop, des fois. Bon, voilà. Allez, je voulais faire un petit tour vite fait. Sur tout ça, voilà, sur les kanji. On en fait que 3 aujourd'hui parce qu'on a quelques petites choses à voir et j'ai envie de mettre le focus sur le contenu de notre Taco Academy. D'ailleurs, attendez, il faut que je prépare mes petites notes. J'ai faim. Oh, putain, j'ai faim, c'est terrible. On va annuler, hein. On va annuler. J'ai faim de curry, d'ailleurs. J'ai faim d'un curry bien sapide. Le problème, c'est que lui, il va être trop sapide, ce curry. Hop. Attendez, tac, ça, c'est fait. Ça, c'est bon, c'est fait. Let's go! Hop! Bien ça, ouais, c'est trop bien ça. C'est toujours de prendre la pause quand on me fait faim, c'est bien. Let's go pour la session d'Attaco Academy. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle notion. L'Attaco Academy, le but, c'est de jouer avec des phrases en japonais. On donne une structure et on forme ces phrases. On va les écrire dans le Discord, hein. Ça se passe dans le Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord si vous n'êtes pas encore sur le Discord. Vous pouvez partager les phrases que vous avez faites. Vous pouvez lire les phrases des autres participants et participantes. Vous pouvez amener votre savoir, partager ça en tant que senpai et aider les apprenants à faire les phrases et à s'améliorer. Voilà le but de la Taco Academy. Aujourd'hui, on a une session un peu particulière, vous allez voir. On va voir une chose. La chose du jour aujourd'hui, on va exprimer notre habilité, notre capacité à faire quelque chose, le fait qu'on est capable de faire quelque chose. C'est ça le thème de la Taco Academy. Mais pour ce faire, pour pouvoir se faire, on va faire un petit point important qui est une particularité du japonais au sujet de la transformation de certains noms. Vous allez voir, ça va être rigolo, mais je sais que pour vous, certaines personnes connaissent déjà ça. On va faire ce petit rappel là dans quelques instants parce qu'on a déjà abordé implicitement ça. On en a déjà parlé plusieurs fois. Et là, aujourd'hui, on va en profiter de parler de ce dont on est capable de faire, ce dont on peut faire, ce dont on ne peut pas faire, du coup, par extension. De faire ce petit rappel sur ce point là, qu'on va voir immédiatement. Et si on est capable de rien, eh ben écoute, tu vas pouvoir le dire quand même, Jérémy Matero. Exactement, Léo. Mais bon, là, c'est plutôt ce que l'on peut faire. Hein. C'est plutôt ça qu'on va faire. Je suis un... Ok, d'accord.
Merci Jérémy, voilà, je tombe dans le piège, encore une fois, arigato. Je vous le dis, hein, aujourd'hui il n'y aura pas de gourdinette parce que j'ai trop soif, j'ai trop mal à la gorge, donc du coup c'est... Gourdinette à volonté. Et il ne s'arrête pas de pleuvoir, on dirait qu'il fait nuit là, c'est terrible, c'est terrible. J'éteins la lumière du stream, je suis dans le noir chez moi, c'est incroyable, il est midi 43, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Donc voilà, voilà le programme du jour, ça vous plaît, ça vous tente? Let's go, est-ce que vous avez envie de pouvoir exprimer ce qu'on peut faire, ce que l'on peut faire. Est-ce que vous êtes partant, partante sur ça? À se faire un petit point de rappel juste avant. Alors, Yazubal, on va rentrer dans le détail. Pour l'instant, les questions, on va les mettre de côté. Il y a certaines choses... La Taco Academy, c'est vraiment orienté pour les débutants. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, on va pas aller sur quelque chose de ultra, 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 dans toutes les variantes et toutes les possibilités. Déjà, on va poser des bases. On va poser une structure de base. On va s'amuser à faire des phrases avec ça. On va rester sur quelque chose de simple, quelque chose d'accessible pour que tout le monde puisse maîtriser ça. Après, on ira dans des nuances, on ira dans quelque chose d'un peu plus élaboré. Comme quand tu as appris le japonais, hein, au tout début, on t'apprend d'abord à tracer tes kanas, on t'apprend à utiliser telle ou telle chose, et après on va te dire, bah tu vois, telle chose, maintenant tu peux aussi utiliser ça pour dire que ça se passe comme ça, ou comme si, etc. etc. Donc d'abord, on va y aller tranquille. On va y aller tranquille. Allez, let's go. Je vous mets la tablette à l'écran. Pourquoi elle s'éteint la tablette? Ah, c'est bon, putain, j'ai cru qu'il n'y avait plus de batterie. Oh, terrible, terrible. Non, pas terrible, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Eh, hey, Nenia, comment ça va? Coucou, Nenia. Tu vas bien? Ah là 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 là. N'importe quoi. Hello et Taco, comment ça va? Mais ça va très bien, ça va très bien, il y a... Terrible. Terrible. David, moi, Sven... Allez, regarde, Crystal, hop. Hop. Pouf. On a oublié. Tout va bien, Crystal. Tout va bien. Il suffit de demander. L'hécatombe. Bah non, il l'a demandé. Il a dit, bah moi, j'exécute, hein, attends, Copain, il dit « Ah, j'ai fait une erreur. » Bah, hop, il n'y a plus d'erreur. Tout va bien. Let's go, let's go, let's go, let's go. Alors, avant d'attaquer la forme pour exprimer ce que l'on peut faire, on va d'abord revoir un petit point. Enfin, on va voir un truc qu'on a déjà vu. On va faire ce petit rappel autour des noms qui peuvent être associés avec Seru. Ça, je pense que vous avez déjà vu ce genre de choses sur Disho, par exemple, hein, lorsque vous cherchez quelque chose. Souvent, il y a marqué « nom seru » qui peut être utilisé avec « seru ». C'est pour transformer un nom en verbe. On va faire un petit rappel et vous allez faire quelques petites phrases autour de ça. Je vous fais la petite structure là qui est là, juste là. Hop, on va juste mettre le titre en grand. Et après, je vous donne la structure sur le côté. Je vous lance sur les phrases sur le Discord. En même temps, moi, j'avance le petit dessin, la petite fiche récap, le petit brouillon de fiche récap. Et Cilia, est-ce que t'es là, Cilia? Cilia, t'es encore là? T'es en lurk? Kocho seno jutsu. Cilia apparaît. J'ai un truc à dire à Cilia. J'ai un truc à dire très, très important à Cilia.
Ah, très très important. Cilia, oui, je suis... Attends, pourquoi j'ai plus mon chat là? Oui, je suis en train de ranger mes fiches. En parlant de fiches, Cilia, aujourd'hui, il n'y aura pas de fiches. Il n'y aura pas une fiche de la Taco Academy, non. Je suis désolé. Il y en aura deux. Session spéciale. Deux fiches de la Taco Academy. Aujourd'hui, on va terminer avec deux fiches. Voilà, Cilia. C'est bon, tu peux te hyper, tu peux envoyer toutes les émotes du monde. Et bien sûr, les autres aussi, hein. Ah putain, j'ai fait une faute. Oui, putain. C'est ça de vous parler en même temps. J'ai transformé. J'ai vu le N. N'hésitez pas à me le dire, hein. N'hésitez pas. Voilà, merci Léo. Merci Léo. Parce que Crystal, quand tu me mets ça, moi du coup, je bug. Des fois, je dis putain, attends, où est-ce qu'il a vu le truc? N'hésitez pas à faire la petite blagounette, ça va, mais ça me gêne pas, au contraire, j'ai de l'autodérision. Mais après, n'hésitez pas à me dire, voilà, c'est là, comme ça je vois le truc. Merci Crystal, merci. Qui c'est qui m'a averti là? C'est quoi ce mot? Celdron, Léo, Crystal, Nenia. Oui, effectivement, ça peut arriver, tout va bien. C'est bon là? Tout va bien? J'ai pas. Je réfléchis en même temps à la forme du truc. Terraformer. Alors terraformer, attention, terraformer un nom en verbe, ça existe, hein, terraformer. Hein. Alors on va terraformer un nom en verbe. Donc, on va utiliser seru, hein, ou shimasu. Hein, nous, c'est vrai qu'on travaille avec la forme polie des verbes. Seru, c'est la forme neutre, la forme du dictionnaire. C'est comme ça que vous allez le trouver dans le dico lorsque vous cherchez le verbe en question. Mais nous, on va l'utiliser avec shimasu. Hein, aujourd'hui, on va utiliser les formes polies des verbes parce que c'est comme ça qu'on a commencé. Bientôt, on fera une session sur comment utiliser les verbes à la forme neutre. Hein, ça va arriver là. Ça va arriver très bientôt. Ça va arriver très bientôt. Donc, seru, c'est un verbe en japonais qui signifie faire accomplir. Hein. Et ce qui est incroyable avec ça, c'est qu'on peut l'accoler à un nom pour créer un verbe. Donc, en fait, comment ça se passe? Je vous donne la structure. La structure, elle est simple. On a un nom. Voilà, terrible. On a un nom et on vient lui coller shimasu. Comme ça. Voilà, boum. Ça, voilà, très très bien, très très bien. Ça peut marcher aussi avec un COD, par exemple, hein. COD, par exemple. O. Le nom, par exemple, voilà. Plus shimasu. Ça marche très bien comme ça aussi. Ça marche très très bien comme ça aussi. Donc... Tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est simplement choper des noms. Par exemple, un exemple de nom, par exemple, on peut prendre Benkyo. Benkyo, c'est études. C'est les études. Benkyo, c'est les études. Bah, pour dire que j'étudie, accomplir le nom, il faut mettre Benkyo plus shimasu. Ça nous donne Benkyo shimasu. Ok? Easy. Après, vous pouvez rajouter un COD devant, hein, si vous voulez rajouter un COD, par exemple, pour spécifier qu'est-ce que vous étudiez. On peut rajouter, par exemple, Nihongo. Nihongo o Benkyo shimasu. Nihongo o Benkyo shimasu. Et ça peut marcher avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms. Quand vous allez chercher dans Jisho, je vais vous montrer.
J'ai un bug d'affichage, non, c'est bon. Hop. Voilà. Exactement. Quand vous allez chercher dans G-Show, quand vous cherchez des noms ou quoi, juste là, vous voyez, vous avez l'indication qui apparaît. Vous avez l'indication qui apparaît, donc par exemple, nom, Benkyo, études. Voilà, les études. Et également, on vous indique que vous pouvez l'utiliser également en tant que verbe avec seru, seru, verbe. Hein. Je vous rappelle, seru, la forme neutre du verbe faire shimasu. Hein. Donc voilà, quand vous avez cette indication sur un nom, ça veut dire que vous pouvez l'associer directement avec shimasu, avec seru, pour former, pour créer un verbe à partir d'un nom, pour indiquer que pour signifier que on fait ça, on accomplit ça. Par exemple, si je prends le mot bisou, par exemple, kiss, ah ben, bisou, voilà. Si je veux dire embrasser, par exemple, eh ben, on rajoute shimasu, kiss shimasu. Voilà, vous avez compris. Ok, alors, ce que je vous propose de faire, je vais réécrire ça au propre, comme ça on aura une belle petite fiche récap, comme d'habitude. Ce que je vous propose de faire là, c'est de vous rendre sur le Discord, dans la partie training, vous rendez dans la partie training dans le Discord, et vous pouvez commencer à faire des petites phrases à partir de ça. Je vous demande pas de faire une phrase révolutionnaire avec 50 points de grammaire ou quoi, c'est pas le but. Même si vous savez déjà faire ou quoi, n'hésitez pas à montrer à quel point c'est facile, à quel point les personnes qui débutent et qui sont en train de découvrir et qui s'initient au japonais avec nous, bah, ils vont pouvoir créer leurs phrases. N'hésitez pas également à apporter de l'aide aux personnes qui en ont besoin. Si vous voyez une petite erreur, faites preuve de bienveillance dans vos réponses et comme ça, bon, on va pouvoir tous avancer ensemble. Donc dans le Discord, directement, dans la partie training, je vois d'ailleurs qu'elle est en train de s'activer, je vois plein de personnes. Tac, hop, let's go. Il y a Zérémy qui est en train de nous mettre un petit résumé aussi. Let's go, let's go, let's go, let's go. Il y a plein de différentes manières. Il y a plein de différents noms qui peuvent être utilisés avec ce le. Et pourquoi je vous propose de faire des phrases? Parce que vous allez trouver également des noms que je ne connais pas. Vous allez trouver des noms que d'autres personnes ne connaissent pas. Et grâce à ça, on va étoffer notre vocabulaire. Je vous laisse chercher dans G-Show. Allez-y, je vous laisse quelques instants, le temps que je mette un peu au propre tout ça, là, sur la petite fiche récap, comme on a l'habitude de faire. Et comme ça, dans quelques minutes, hein, dans 5-10 minutes, grand max, je vais aller jeter un petit coup d'œil dans le Discord et on va lire vos phrases. Vous faire des petites blagounettes, hein, bien sûr, hein, comme d'hab. Hein. Mais voilà, foncez. Foncez, foncez, foncez. Hop, donc n'hésitez pas, hein, regardez là-dedans. Si vous êtes en panne d'inspiration, je peux vous donner un peu de vocabulaire aussi. On a vu étude, benkyo, benkyo, benkyo shimasu. Par exemple, mariage, marié, pardon. Ah merde, se marier, voilà, hop, je balance. Mariage, se marier, par exemple, ça fait kekkon. Je laisserai faire la transformation avec shimasu. Hein. Ensuite, vous avez la question. Bah, attendez, ce que je vais faire, c'est... En fait, vous avez préparé une partie vocabulaire. Je vais vous mettre la partie vocabulaire immédiatement. Ce sera plus simple. Vu que déjà, vous avez déjà la structure de base. Hop, on va faire comme ça. Et arrête de bouger, toi. Vas-y, bouge pas pour voir. Bouge plus. Il m'a trigué, le truc. Ah, il m'a trick de ouf. Trigu. Poriga. Je te laisse ce soin. Attendez. C'est par là que ça se passe. Hop.
Voilà, let's go. Je fais un petit réglage. Hop, c'est parti. Je vous mets le vocabulaire, comme ça, ça peut être un peu plus simple pour les personnes en panne d'inspiration qui ne trouvent pas de vocabulaire. J'aime pas beaucoup mon R. J'aime beaucoup mon R. Vous aimez bien mon R ? Moi, j'aime bien mon R. Il manque pas d'air. Impeccable. On met quelle couleur ? Tiens, vous, vous choisissez la couleur du vocabulaire ? Oh, je peux changer, hein. Je peux changer, bien sûr. J'ai fini la dernière fiche. Ouais, du coup, je peux prendre n'importe quelle couleur que je veux. Bon, bien sûr, le rond central sera toujours en orange. La couleur du Germiland. Très moche. Voilà, on va tirer ça comme ça. Tiens, hop, voilà. Hop, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme dans les livres. Quelle couleur vous voulez, là ? Pour le vocabulaire ? J'en reviens un peu sur le chat aussi. Nickel. Eh, Léo, vas-y. Fais-nous des phrases. Fais-nous des phrases avec, avec ça. Si tu le veux bien dans le Discord, ça va aider les apprenants. Du bleu, Fiwai, t'es la première à parler, t'es la seule à avoir parlé d'ailleurs, Fiwai. Bah, écoute, c'est quoi, on va mettre du bleu. On va mettre du bleu et on va prendre un joli bleu. On va prendre un joli bleu. Pas mal ça, non ? Pas mal. C'est vrai que vous avez un petit décalage des fois entre mon image et la vôtre. Alors attendez, j'avais fait un réglage la dernière fois. Yep. Alors, est-ce que ça sort des phrases dans le Discord, là ? Alors, les amis, gardez bien l'espace training pour les phrases. S'il y a un sujet à débattre, n'hésitez pas à la limite, copier la phrase et à en parler dans le salon, peut-être débutant ou ailleurs. Mais gardez... Gardez comment ça s'appelle ? Les éventuels débats qui peuvent nous faire perdre dans le thème du salon, qui est le salon où on rédige les phrases, et ça peut être déroutant. Ça va comme ça, le bleu ? Attends, j'avais un truc. Elle est où ma fenêtre de capture iPad ? Elle est où, vidéo capture device ? Elle est là, filtre, j'avais fait. Non, c'est bien comme ça. Non, oula, ce filtre est horrible. Ok, oubliez ce que je viens de faire. Fiwai, c'est beau, hein ? Et diantre, j'essaie juste de faire un truc joli. Voilà, c'est bien comme ça. On va le laisser juste comme ça. Et comme ça, au moins, je peux récupérer ce template pour faire le reste. Comme ça, je vous mets déjà le vocabulaire. Au moins, vous l'avez déjà. Vous avez déjà le vocabulaire pour faire les phrases. Merci, Jérémy, d'aller dans le sens de la... modération. Ah, c'est pas pour vous modérer, hein, mais c'est le débat a sa place. Mais c'est juste que la place n'est pas la bonne. Et il faut qu'on puisse avoir. Voilà. N'hésitez pas. Vous pouvez utiliser le salon. Vous pouvez utiliser la place centrale si vous voulez pour débattre de ça. Ou si vous voulez utiliser le salon dans la partie japonais, dans la partie entraide par exemple, ou débutant, je sais pas. Voilà. Vous pouvez prendre un autre salon. N'hésitez pas. Mais oui, voilà, gardez en tête qu'on est dans la Taco Academy. Je sais que ça peut être frustrant pour des personnes de revenir sur quelque chose où on est sur des phrases simples. Restez sur des phrases très, très simples. La structure, elle est simple, elle est basique.
Nom plus Shimas, premier point. D'ailleurs, je vais vous mettre un joli petit point orange, là. Premier point, c'est ça. Deuxième point, CODO, nom plus Shimas. Basta. Aussi simple que ça, voilà. Je vous ai fait une phrase, Nihongo o Benkyo Shimas. Kisu Shimas. Voilà, deux petites phrases. À vous de jouer, proposez-nous du vocabulaire. Proposez-nous du vocabulaire. Je vous mets des exemples de vocabulaire si vous voulez vous entraîner à refaire les phrases. Quitte à ce que ce soit de la répétition, c'est pas grave. C'est dans la répétition qu'on va prendre ses marques et qu'on va s'habituer à ça et qu'on va se dire « Ah bah ok, d'accord, je comprends ça, je comprends ce que je fais. » Faites simple, faites simple. Soyez simple. Après, on flexera, on fera des phrases, des enfers, etc. Quand on sera à la Taco Academy numéro 200, par exemple. Mais encore, Taco Academy numéro 200, j'en reviendrai sur des premiers points. Parce que le but, c'est donner l'envie à des personnes de s'initier au japonais, de faire leur première phrase au japonais et de faire les premiers pas en japonais. Le but, c'est ça. C'est de créer cette étincelle. Hop, et d'avancer. Et de se lancer. Et de faire. Il y a des gens qui ne parlaient pas un mot de japonais il y a quelques sessions. Il y a des gens qui ne parlaient pas un mot de japonais lors de la session précédente. Et aujourd'hui, ils se souviennent qu'on est capable de comparer avec Yori, comme on l'a fait la semaine dernière. Le but de la Taco Academy, c'est ça. Après, on a plein d'autres streams où on fait plein de bêtises, où on s'amuse, où on parle de japonais, où d'ailleurs, à la rentrée, je vais bientôt reprendre aussi mes sessions de travail autour de mon N4, de feu N4. D'ailleurs, il y a des gens qui ont passé le N4, là. Demain, il y a le N4 qui est passé. Hein. Demain, il y a le JLPT. Hein. Demain, c'est JLPT, les amis. Hein. Demain, JLPT N4, N5, N3, N2, N1, à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Strasbourg, enfin voilà. Bon, gros merde à toutes celles et ceux qui vont le faire, hein. D'ailleurs, on peut en grosse penser à eux, hein. Premier dimanche de décembre, c'est parti, hein. JLPT. JLPT. Alors, vocabulaire. Et Kamita Isai, coucou, comment ça va? Blinils, merci pour les outils, merci pour les ressources. Les ressources incroyables. Allez, gâteau. Je vais laisser un petit peu de temps tranquille. De temps en temps, je fais des petites pauses musicales comme ça. Avoir le focus sur ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de proposer. Allez, je vous remets un autre exemple. Là, je vous mets quelques mots de vocabulaire qu'on a vu et les études. Hein. Avoir le mariage, par exemple. Kekkon. Oula.
fait Conchimas, du coup. Se marier. Ok. Ensuite, un autre exemple, Shitsumon, très bien, je trouve que c'est un très bon exemple, Shitsumon. Shitsumon, ça veut dire question. Du coup, Shitsumon Shimas, vous avez une idée de ce que ça va donner? Ah, je vous rappelle, hein, du coup, on rajoute Shimas à un nom qui est compatible pour signifier faire accomplir. Un seul R à mariage? J'ai mis deux R? Ah bon? Attendez, j'ai un bug. Terrible. Pourquoi j'ai mis deux R? Pourquoi j'ai mis... Ouais, écoutez. Merci. Une faute sur mon brouillon. Hop. Hop. Oui, Cilia, c'était un gros mariage en fait. Il y avait beaucoup de saké, il y avait beaucoup de choses bien sapides. Et effectivement, du coup, j'avais envie d'insister là-dessus. Merci Crystal, merci Cilia. Bah du coup ça fait pas ce mariage, oui ça fait ce mar... Deux secondes, je me suis embrouillé, tout va bien. Ce... Voilà, hop, j'étais perdu dans mes pensées. Bon, est-ce que je vous avoue un truc? Je vous avoue. Allez, je vous avoue. Bon, je fais des fautes un peu exprès des fois. Non, mais c'est pour voir si voilà, si vous suivez et tout quoi. Pire excuse. Merci pour votre vigilance. Ah ouais, moi le français, ça fait deux. Hein. Ouf, op, 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 op. Ta 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 la la la. Bien sûr, et la marmotte, deux R à marmotte, c'est le rond du coup. Shitsumon du coup. Alors on revient aux moutons. Shitsumon. Shitsumon du coup, ça veut dire la question. Shitsumon Shimas, du coup, une idée? Shitsumon Shimas, posez une question, c'est le droit à proposer. Ah, génial. Posez une question, Crystal, reviens là-dessus. Ok, GG. Blinis nous indique, j'ai trouvé un truc sur G-Show. On peut utiliser le hashtag words, hashtag VS, pour trouver les verbes seru. Comme JLPT N5 pour avoir que des mots N5, etc., etc. Ah, très bien. Alors, attention, attention. Je vais regarder. Je vais regarder parce qu'il y a un faux ami dans les seru. Faites... Pardon. Ah, oh, ce rhume qui me... Attends, je vais vérifier. Parce que des fois, tu peux avoir des faux amis avec ça. Je vais être sûr que tu sois pas tombé dans le panneau. Seru, verbe, seru... Non, très, très bien. Très, très... Putain, super la commande. Ouais, ça t'amène sur une belle liste, avec plein de noms. Nice! Nice! Bravo, merci, merci. Tiens, regardez, je vous envoie le lien direct, vous avez juste à cliquer, c'est ce que Blinils a fait comme commande. Voilà, vous avez juste à cliquer sur le lien, là, boum, bingo, let's go. Donc, Shitsumon Shimas, posez une question, exactement.
Ah, vous voyez bien, shimasu, on sait, c'est le verbe faire, exécuter. C'est pas faire une question, c'est, voilà, c'est poser une question. C'est ça que j'adore avec le japonais, c'est que ça m'aide énormément pour reprendre mes bases de français. À l'école, j'ai pas eu un enseignement très traditionnel lorsque j'étais au primaire. On avait un professeur des écoles qui nous faisait l'apprentissage par la méthode freinée. Je sais pas si ça parle à certaines personnes. Et du coup, c'était un apprentissage qui était basé sur l'autonomie de l'enfant. On n'avait pas trop de cours comme genre on était assis, etc. Et on faisait les règles d'orthographe, les règles de ci, etc. Et tout quoi. Et ça. Du fait qu'il n'y ait pas eu trop ça, etc., je pense que j'ai un peu occulté certaines choses parce que j'étais un peu seul dans mon apprentissage et tout. Il n'y a pas eu ces cours à l'ancienne, si je puis dire. Et pour certaines choses, j'ai vraiment, vraiment excellé tout ce qui était au niveau autonomie et tout, parce que moi, je suis en général quelqu'un d'assez solitaire et ça m'allait très, très bien. Mais c'est vrai que pour d'autres choses, je me suis rendu compte, en faisant l'apprentissage du japonais, que j'avais du mal sur certains points basiques de grammaire française. Et du coup, au final, le japonais me permet de réapprendre, me réapprendre tout ça, quoi. À 35 ans, vas-y, hop, c'est bon, tu t'apprends le français alors que c'est ta langue maternelle. Je trouve ça incroyable. Donc voilà, et aussi, c'est vous aussi qui m'aide énormément. Donc, arigato, arigato. Donc, n'hésitez pas, vous gênez surtout pas, parce que vous voyez une petite coquille ou une petite incompréhension ou quoi, des fois c'est moi qui bug, hein, et au contraire ça m'aide énormément, donc merci beaucoup, merci pour votre bienveillance. Blinis, tu ne ferais pas un récap des commandes que tu connais dans G-Show? Ah putain, énorme. Blinis va nous sortir un PDF de 800 pages. Mariage, c'est en anglais on dirait. Ah ouais. Question, c'est avec un K. Non, Cristal. Non. Comme Cristal. Oui, ceci dit, c'est comme Cristal. Itokatsu, tu es VIP sur la... Qu'est-ce qu'il a... Ah, prison, putain. Itokatsu, tu es VIP sur la chaîne, donc tu peux poster des liens, il n'y a pas de problème. Tu seras pas ban, tu seras pas modéré, donc te gêne pas. Allez, faut que j'accélère. Faut que j'accélère parce que, je vous ai dit, aujourd'hui, il n'y a pas une fiche, mais deux fiches. On n'en est qu'au début de la première. Danois, vous connaissez ce mot, Danois? Le mec vous pose la question, il écrit la réponse instant. Vous connaissez ce mot, Danois? Téléphone. Sur G-Show, dans le menu All, à gauche de la barre de recherche, on peut ajouter des filtres de recherche. Word, kanji, noun, adjective, etc. etc., 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 etc. Terrible. G-Show quand même, hein. Puissant. Tout ce qu'il y a là-dedans, incroyable. Zermi Tokatsu, est-ce que je peux rajouter Nihon de... Oh, trop bien, vous posez des questions. Ah putain, ça me fait trop plaisir de vous voir vous poser des questions. Téléphone, Enya, téléphone, c'est le bon, GG. Denwa Shimas, du coup, ça donne quoi? Denwa Shimas. Vas-y, je te sors de prison. Ah non, mais t'étais déjà sorti de prison. Et Cloto qui t'a débattu? Ah non, c'était déjà une minute, c'est passé vite. Si je dis pas de bêtises, oui, tu peux, c'est en fonction du verbe, si c'est un verbe d'action ou pas. Non? Ou remarque? Ouais. Nihon de. Oh bordel. Qu'est-ce que tu... Alors moi, par exemple... Denwa. Nihon de... Watashi wa Nihon de kare shimasu.
Un peu humide cette prison azurienne, hein. Putain, t'as vu? Donc du coup, ça nous donne téléphoner, des noix chimas, téléphoner. Téléphoner, ça nous transforme. C'est ça qui est amusant avec le japonais, c'est qu'on transforme des noms. On transforme des noms en verbes. Alors des fois, des noms qui... Téléphone, téléphoner, ça existe. Mais question, Shitsumon. Question, Shitsumon. Shitsumon Shimas, c'est devenu un verbe. C'est devenu un verbe. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc nous, en français, on n'a pas de mots. Alors remarque, on a questionné. Mais bon, mais c'est pas pareil, questionner. Questionner, il y a le sens... alors... Dites-moi, Tom, monsieur Ragnar. Pourquoi vous avez attaqué les pieds de monsieur Germy la dernière fois, lorsque vous étiez en train de monter un Lego? On veut tout savoir. Voilà, ça, c'est questionner. Pas pareil. Audience, je savais pas, merci pour la commande. Mais de ouf, Itokasu. Ah, la confiance, tu l'as gagnée quand t'as posté les sakanas, mec. Hein. Ça fait déjà plus d'un an. je peux pas voir les stats de quand les gens sont VIP. Par contre, on peut savoir l'ordre des VIP. Attends, je peux... Qui c'est que j'ai mis en VIP en premier? Putain, Itokatsu, t'es le troisième de la chaîne à avoir été mis VIP. Hein. Rendre à César ce qui est à César. Oui, les Atama ga yoku naru, ne. Incroyable, attendez, on va faire un petit truc. Jérémy, question. Question, attends, Jérémy, question et poser une question. Il manquerait pas la terminaison du verbe? Alors, effectivement, il manque la terminaison du verbe, complètement. Complètement. Ah, attendez, je fais des bêtises. Heureusement que Fiwai est là, hein. Heureusement que Fiwai est là, hein. Je vais reprendre un effet ralgan, moi. Et deux vitamines. D'ailleurs, j'ai pris mes... Tu arrives à suivre quand même? Mais ouais, mais c'est... Attends, mais c'est vrai que j'ai... Attends. Fiwai? Tu parles japonais, Fiwai? D'où t'entends? Putain, tu m'as fait bugger quand t'as dit Jérémy dans ton son... T'as cru que je te parlais, mais... Incroyable. Putain, Fiwai! Hey! On m'a détendu. Arigato. Merci. C'est ce bouton. Oh, putain, à chaque fois je me fais avoir. Fiwai, tu veux choisir la couleur? Non, je parle pas japonais, mais je suis quand même. C'est le but du jeu. C'est le but du jeu, et tu vas voir que tu vas parler japonais à la fin de la session, tu sauras dire ce qu'on va dire. Du coup, Fiwai, tu veux choisir la couleur? Ah, terrible, je l'ai pas bien bleuté tout à l'heure. Bon, on va voir si... Ah ouais. Ah, ta tradition. Ça va être la fiche récap Fiwai Edition. Pourquoi? Alors là, ça va être... là, je vais expliquer c'est quoi ce lieu. Regarde, je vais l'écrire là. On va le faire comme ça. Diantre! Q-U-O-I. Je suis un peu fatigué, un brin malade. Donc je vous le dis, je vais faire pas mal de petites bourdes. Donc faut pas hésiter à me reprendre. Hein. On va cacher le bleu manquant par ça. Attends, et ça, on va un peu le descendre. C'est quoi ce lieu? Ah, skip, c'est une question. Peut-être qu'il faudrait un point d'interrogation, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est moche. Il est mieux.
Attends, qu'est-ce que tu dis, Crystal? D'ailleurs, t'as mis la forme polypartout plutôt que la forme seule. Oui, parce que dans le dictionnaire, tu récupères ça comme ça. T'as marqué seul le verbe. Mais nous, dans la taco, on utilise la forme poly. Oui, c'est un peu stylisé, Zérémy, là, mon lu. Attends. Je reviens un peu sur vos messages dans le chat, attendez, hein, j'ai un peu loupé des messages. Ok. Tac, tac, tac. Je cherchais comment dire que signifie. Ah, alors ça, c'est un autre point de grammaire. Ça, c'est un autre point de grammaire. Voilà. Crystal, je te propose de rester sur des phrases plus axées sur ce qu'on fait. Et de toute façon, tu vas voir, je sais que tu es avide de tournure de phrases et que tu as faim autour de ça. N'aie aucune crainte. On va développer, on va partir sur quelque chose, on va partir sur la forme potentielle. Donc voilà, du rose fuchsia, nous dit Fiway. Ok, let's go. Alors, du rose fuchsia. JPP. C'est pas mal ça, Fiwai, c'est pas mal ça, non? C'est pas mal, hein? Fiwai. Ah, c'est joli, j'aime bien. Ça te plaît, Fiwai? Très bien. Ah, cool. Il y aura les petites flèches qui vont avec et tout, hein. Ok. Alors, donc oui, je parle de seuleux parce que c'est comme ça qu'on le trouve dans le dictionnaire. Vous allez avoir la forme seuleux. Donc sur la bulle principale, je vous dis avec seuleux pour qu'on puisse avoir la correspondance et comprendre là-dessus. C'est quoi seuleux? Là, je vous le dis que c'est le verbe, etc. Parce que c'est l'infinitif du verbe shimasu. Shimasu, c'est la forme conjuguée de ce verbe-là à la forme poli. Et nous, on va utiliser la forme poli de ce verbe parce que on s'exprime en forme polie et que nous n'avons pas encore vu la forme neutre des verbes qu'on verra prochainement lors des Taco Academy suivantes. D'ailleurs, à la fin de la Taco Academy, je vous invite à être présent et présente parce que on va parler un petit peu du programme des futurs Taco Academy. On va parler un petit peu de ce qui va se passer pendant les fêtes et d'ici à la rentrée. Pour faire simple, je pars vivre au Canada, il n'y aura plus de stream. Donc voilà, c'est le dernier stream aujourd'hui. La semaine prochaine, il n'y aura pas de live. Poisson de décembre, mais non, tout va bien. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi aussi, je fais des blagues, là. Vous sortez vos blagues, là. Vous lancez vos débats. J'oublie des R. Je sais pas quoi. Bah voilà. Hein. C'est à Taco à Montréal qui... Bah oui, bah oui, bah oui.
Ah oui, bah oui. T'as quoi, Montréal, hein, qu'on a fait ensemble, bien sûr. Alors, celui... On va reprendre, hein. Oh là là, une écriture des plus dégueulasses. Waouh, terrible! Celui... Et... Un verbe. Il n'y a pas internet à Montréal. Non, terrible! C'est écrit assez gros. C'est écrit assez gros, je pense, ouais. C'est pas mal. Donc, solo est un verbe en japonais qui signifie accomplir, faire. D'ailleurs, est-ce que vous avez accompli, est-ce que vous avez fait vos phrases? Eh, j'oublie pas le Discord, là. Faites-moi voir. Oh, putain, ouais. Attendez. Pause Discord, là. Allez, on va aller voir les phrases, là. Incroyable, moi je blablate et tout, n'hésitez pas à me faire signe aussi, hein. Hop. Ah, je vais lire vos phrases un peu dans le Discord, là. Ah, mais c'est bien, là. Putain, si vous avez avancé comme ça, je vais vous donner de quoi vous sustenter sur la suite. Oui, comme ça, vous allez pouvoir continuer à faire des phrases. Ah bah, comme ça, je vous donne la suite, et en même temps, je vous lis les phrases. Parce que là, ce qui est bien... C'est que, vous connaissez, hein, on a vu ensemble, vous vous souvenez des fiches récap de la Taco Academy sur la négation, le passé, tout ça? Vous vous souvenez de tout ça? Eh ben écoutez, il y a un truc incroyable, c'est que Shimas, celui, hein, si vous préférez en forme neutre, mais bon, nous on est en poli, donc Shimas, c'est un verbe à part entière, et il se conjugue de la même manière. Il se conjugue de la même manière, donc au présent, c'est comme ça. Au passé. Allez, au passé, ça donnerait quoi? Donc, on va voir. Passé. Qu'est-ce que j'ai fait? Passé. Forme négative. Et passé. Négative. Voilà. Let's go. Ça, on va pouvoir le décliner. On va pouvoir décliner tout ça. On va pouvoir décliner tout ça. Alors, ça donne quoi? Oh! Le raid! Oh, le raid! Gugeo qui débarque! Coucou Gugeo, comment ça va? Comment ça va? Bonjour à toi, bonjour à ta commu, bienvenue! Qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Comment s'est passé le stream? Bonjour les raiders, bonjour à toi. Gugeo, qu'est-ce que vous avez fait de beau? Comment ça va? Raconte-moi tout. Les jolis cœurs. Les jolis cœurs bleus, putain, ils sont beaux tes cœurs. Ratata Sims 4, oh cool, nice. J'espère que ça s'est bien passé. Est-ce qu'on peut faire un joli shout-out pour Gugeo, s'il vous plaît? Pour la chaîne de Gugeo. Fiwa, je dois vous laisser. Balade canine et bénévolat dans la médiathèque de ma petite ville. Oh, trop cool, soigne-toi bien, Jeremy. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous aussi. Taco Hype, des cœurs. Ah, merci Fiwai. Merci pour ton aide et tes recommandations de coloriage. Arigato. Alors du coup... du coup, vous allez pouvoir décliner ça en forme. Regardez, j'étais en train de vous faire des cadres le temps que vous me répondiez, mais bon, visiblement, vous n'avez pas l'air d'être très chaud pour me répondre. Je vais répondre pour vous.
Vous êtes peut-être déjà en train de faire vos phrases. Donc, à la forme affirmative, donc on a vu, ça fait shimasu. La forme, du coup, bah, passé, bah, on conjugue au passé. On ferait la terminaison shimashita. Shimashita. La forme négative, c'est shimasen. Et la forme passée négative, c'est le mix des deux. Presque. Ça donne shimasen deshita. Shimasen deshita. Voilà. Oh, c'est le drone, il les sort. Shimashita, shimasen, shimasen deshita. Omedeto. Du coup, vous pouvez faire vos phrases comme ça. J'ai étudié le japonais. J'ai étudié le japonais, par exemple. J'ai posé une question. Je n'ai pas posé de question. J'avais posé une question. Je n'avais pas posé de question. Je les donne en français. Check, 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 check. Des petites pistes. Let's go, go Discord. Vous pouvez transformer vos phrases de cette manière. Avec ça, en attendant, je vais regarder. Sims 4, le thème aujourd'hui c'est la forme polie des verbes. Aujourd'hui on fait. Alors, aujourd'hui on fait. On va exprimer ce qu'on est capable de faire. Voilà. Ce qu'on est capable de faire. Et du coup, on va former des phrases avec la forme potentielle. Mais avant de faire ça, on fait un petit récap. On fait un petit rappel sur transformer un nom en verbe. Tu sais, avec la forme shimasu. Donc voilà, par exemple, benkyo, étude, benkyo shimasu, étudier. Voilà ce que ça donne. Et là, on était donc, j'étais en train de réécrire le récap sur c'est quoi seru, c'est quoi shimasu, hein, comment on utilise ça. Et là, je vais aller jeter un petit coup d'œil dans les phrases qui ont été créées dans Discord. Et en même temps, je vous ai donné les différentes déclinaisons de shimasu, shimashita, shimasen, shimasen deshita. Voilà. Let's go voir un peu vos phrases dans Discord. J'ai hâte de découvrir ça, ça me fait toujours trop plaisir. Comme ça, vous faites vos phrases et après, on attaque le gros de la taco avec la forme potentielle. Comme ça, on a une bonne heure et demie devant nous pour faire ça. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? Ashita wa ryori shimasu. Proposé par Crystal. Ashita, demain. Ryori shimasu, demain je cuisinerai. Trop bien. Donc ryori, la cuisine. Ryori shimasu, cuisiner. Ensuite, on a itokatsu ato de renraku shimasu. Lenlaku, contacter. Si je dis pas de bêtises, contacter, correspondre. Lenlaku shimasu, grosso modo, c'est je te contacterai, quoi. Je te contacterai. Donc après, je te contacterai, je tape. C'est presque Denwa shimasu, hein, on est à peu près dans le même style, quoi. Je dis pas de bêtises, hein, je vérifie quand même le verbe. Lenlaku, contacter, entrer en contact. Nom ou particule suivi de l'auxiliaire seru, hein, vous voyez juste ici, et là hop il vous montre lenlaku, hop attendez on passe en forme masse, lenlaku shimasu, lenlaku shimasen, lenlaku shimashita, lenlaku shimasen deshita, on est bon, incroyable, merci Imiwa. Je te fonde bientôt, je te zéro aussi bientôt aussi, ouais. Merci Tokatsu, attendez j'ai pas mis des cœurs, faut que je mette des petits cœurs quand même, hein. Hop, petite lecture rapide. De tout ça. Voilà, des petites phrases simples. Hop, on a une petite phrase simple, on est en train de voilà, on dit, voilà, je fais ça, je fais ci, etc. Avec les noms. Alors, Celdron, tu nous donnes. Watashi wa Jikundo
Jikundo. Je sais pas ce que c'est. C'est une technique de combat, c'est ça? Oh, Lenchu shimashita. Tu donc d'accord. Ok, tu as pratiqué Jikundo. Je sais pas ce que c'est. Tu veux bien nous en dire un peu plus? Ah, shashin suru, Silia, tu veux dire prendre des photos. Alors pour prendre des photos, on va utiliser le verbe toru. Toru. Et du coup, la construction ne fonctionne pas. Et comme l'indique Crystal, effectivement, quand t'as un nom et tu veux voir si on peut le former comme ça, tu vas vérifier s'il y a l'indication suru. Pourquoi? Parce que, en fait, on a un verbe déjà qui est déjà existant, un verbe en japonais qui existe déjà. Pour indiquer qu'on fait comme ça. Donc, malheureusement, cette construction ne fonctionne pas. Mais bien sûr, merci d'essayer, merci de le faire. Jet Kundo, un art martial avancé par Bruce Lee. Ah! Ok, c'est bon, je remets le truc. Ok, du coup, t'en as fait. Oh, incroyable. Incroyable. Ok. Tiens, je te mets une prédiction numéro 3, du coup. Cloto, qu'est-ce que tu nous dis? Jeremy-san, wa? Ok. Chotto. Jeremy-san, wa kare o tabemasu. Yakusoku shimasu. Ah! Ok. Oh, attends, t'as changé ta phrase? Je viens de l'avoir sauté. Oui. Oui, je sais. C'est bien, tu précises en plus au Japon. Nihon de Jeremy-san wa kare o tabemasu. Yakusoku shimasu. Jérémy mangera un curry au Japon. C'est une promesse. Il a fait la promesse. Il en a fait la promesse. Yakusoku, la promesse. Yakusoku shimasu. Faire la promesse. Incroyable. Ça mérite une émote miam miam pour ça. Je peux même te mettre... Ah, trop... Excellent. J'allais te mettre au défi de trouver l'adjectif karai, épicé, que tu aurais pu ajouter pour venir qualifier le curry. Mais je vois que j'étais déjà en train d'en parler. Oui, ça marche. Bien sûr que ça marche. Bien sûr. Voilà, Cilia, il y a Zérémy qui t'apporte la correction. Excellent. Si, ça marche trop bien. Trop bien la phrase. Je viens de l'avoir corrigée, là. Excellent. Là, on a des jolies phrases. Hein. Crystal, Itokatsu, Celdron, Cloto. N'hésitez pas à passer voir dans le Discord. Cilia qui repropose, qui réessaye, qui tente de dire qu'elle prend en photo des chats. Et là, Zérémy apporte la réponse qui va avec. Je t'en remercie infiniment, Zermi, un petit Zermi, du coup. Allez, gâteau. Itokatsu, il monte dans les tours, là. Hop, incroyable. Ah, comme ça, vous avez tout à l'écran, parfait. Ok, je vois que vous vous posez des petites questions ou quoi, donc j'évite. Ah, shit. Ta hirune o shimasu. Demain. C'est quoi ta phrase, Jérémy? Ah, par contre, tu utilises o, hein, attention, o shimasu. Donc là, on n'est plus dans la construction avec shimasu. Là, on est en train de faire ça. C'est quoi hirune? Hirune, c'est dormir le soir? Ah non, c'est une sieste. Demain, je fais une sieste. Nenia, tu me proposes une phrase avec un kanji que je ne sais pas lire. Nanana. De. In. To. Ah, Sampo Shimasu. Ah, j'ai vu Sampo. Donc, tu vas faire à un endroit, avec ton chien, tu vas aller te promener.
Minna, Jeremy Land no Insta o follow shi. Attends. Insta o follow shi ma show. Aitokatsu, j'apprécie ta phrase énormément, mais là on est sur la forme shimasho. C'est une forme qu'on n'a pas encore vue pour inviter les gens à faire quelque chose. Faisons ça. Mais bon, il y a follow shimas. Ça, c'est intéressant, le verbe follow shimas, c'est follower, hein, cliquer sur le bouton follow. Donc voilà, les gens qui sont sur Twitch là, vous n'avez pas encore follow la chaîne, cliquez sur le petit cœur là juste à côté de la chaîne pour lâcher votre petit follow. C'est tout à fait gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et ça permet de faire avancer le contenu. Et en plus, bah voilà, ça met en illustration le verbe que Itokatsu utilise. Ok, Léo. Watashi wa moshiwake o shimasu. C'est quoi ça, moshiwake? Ah, moshiwake suru. Ok, d'accord. Oui, alors là, là, il rajoute O parce que c'est faire des excuses. S'excuser. Nous, ce qu'on voulait, c'était utiliser s'excuser. Donc oui, c'est vrai que là, on sort de la construction de la phrase. La frontière est mince. La frontière est mince. Mais ça, ce sera l'occasion d'en... Ce sera l'occasion d'en parler. Zeremi-san wa... On est peut-être sur un point de particularité. Forcément, quand on va sur des mots et des phrases un peu différentes, quand on ouvre le vocabulaire, des fois on va tomber sur des anciennes tournures ou sur des mots qui s'emploient d'une autre manière. Donc des fois c'est un peu. Même moi, je sais pas sur quoi vous m'emmenez des fois. Donc mais c'est quand même ça qui est amusant aussi avec vos phrases. C'est ça qui est très amusant. Zeremi-san wa misu o suru shimasen. Quoi? Attends, qu'est-ce qu'il dit Itokatsu? Zeremi-san wa misu o suru shimasen. Je sais pas ce que ça veut dire. Il y a des mots de vocabulaire, je sais pas ce que c'est. En plus, il y a des katakana, c'est rigolo. J'essaie d'avoir la correspondance. Alors, misu, c'est une erreur, ok. Suru. Ignorer. Ignorant. Jérémy n'ignore pas les erreurs, c'est ça? C'est ça, Itokatsu? Zukashine, hein? Watashi wa sakana o ryōri shimasu. Watashi wa sakana o ryōri shimashita. Watashi wa sakana o ryōri shimasen. Watashi wa sakana o ryōri shimasen deshita. Impeccable. Impeccable. GG Blinils. Simple. Une petite phrase, une petite, presque une consigne si je puis dire, et on va sur quelque chose de simple. Et on a les quatre déclinaisons. Impeccable. Soji. Soji, c'est le ménage, Emma Opaline. Emma Opaline. Soji. Soji Oshima. Soji Shimas. Soji Shimas. Ménage. Je ménage, nettoyer. Ça passe, hein, Soji Shimas. Noa. Undo. Undo, attends, je suis en train d'essayer de checker. Undo shimashita. Ah, kino, watashi wa undo shimashita. GG Crystal. GG Crystal.
Cool, vos phrases. Je vous laisse faire, hein. Continuez. Je crois que je vous ai tout mis de toute façon à l'écran, là. Affirmative, négative. Hop. Je voudrais juste vous mettre le petit récap, là, vite fait. Sur ça. Et on passe au gros de la partie. Putain, j'adore vos phrases. Eh, franchement, GG à toutes et tous. En plus, ça nous fait découvrir des choses. Ça nous fait découvrir des mots de vocabulaire. Signifie faire, accomplir. Donc on peut la coller à un nom pour créer un verbe. Voilà, la structure, elle est simple. C'est nom plus shimas. Ou bien le COD hein, qui peut être utilisé. De toute façon, je l'ai déjà fait là. Voilà, hop, c'est exactement ça. C'est exactement ce qui est juste là. Voilà. Après les exemples, on les a vus. Donc voilà, on va voir ça là, comme ça, sur cette première fiche. Tac, une petite flèche par là, une petite flèche par là, une autre flèche par en dessous pour revenir sur les déclinaisons avec le passé, la négation et le passé négatif. Voilà, on fait. De toute façon, vous savez, on fait le brouillon ensemble. On a un petit brouillon qui commence à se décliner. Et Et après, moi, je vous mets ça en forme et hop, vous récupérez ça sur le Instagram du Germiland. La publication se fait le vendredi dans la journée. Alors, la fiche récap d'hier était très, très longue à terminer et à peaufiner. Ça m'a pris un temps fou. Du coup, je voulais publier genre à 23h55, je crois. Le truc, c'était dernière minute, quoi. C'est incroyable. Il ne laisse aucune erreur, Itokatsu. Ah, putain, incroyable. Trop bien. Trop bien. Ce que je vous propose de faire, c'est je vais vous laisser sur l'écran là comme ça avec les mots de vocabulaire, tout ça vite fait, la petite structure là qui est indiquée. Je fais juste une petite pause là, faut que j'aille vite fait au petit coin et on attaque sur la suite. N'hésitez pas à continuer à faire vos phrases dans le Discord. Là, je vois d'ailleurs dans le Discord, il y a des gens qui sont en train d'écrire. Merci de prendre le temps d'écrire des phrases sympathiques avec celui qu'on vient accoler directement à un nom pour transformer le nom en verbe, hein, benkyo shimasu, kekkon shimasu, etc. Let's go. Je vous mets même pas l'écran de pause, je vous laisse avec monsieur micro 2 secondes, je reviens à tout de suite.
Je sais pas comment les autres streamers font pour streamer des 7-8 heures d'affilée sans aller au petit coin une seule fois. Je sais pas. Kamitaizai, merci pour le bruitage. Arigato. Léo qui nous a balancé un... C'est quoi, du poulet? Ok, un poulet, ouais. Bon, je suis allé grignoter un petit graissin à Grana Padano, c'était bien sympa. Au secours, je crois que Blinils nous fait une petite fixette sur le poisson. Ça va, Blinils, tu veux en parler? Oh putain, qu'est-ce qui se passe avec Blinils? Ah oui, d'accord, c'est phrase. Ok, tout va bien, tout va bien. J'ai cru qu'il y avait un mème. Tout moment, il y a un mème qui pop. D'ailleurs, putain, Blinils, d'ailleurs, le mème que t'as sorti hier soir. Poil. j'ai mis des émotes. On a même pas mis des mots, terrible. Terrible. Attends, je vais les rajouter. Mettre un cœur. Et mettre cœur de feu, voilà. Ah bah tiens, ça c'est une idée. Merde, j'ai dit quoi? Oh, il t'a simancé. Oh, je t'en prie. Oh, trop de révérence, Kamita Isai. Trop de révérence. Je te dois une émote, toi. Je te dois une putain d'émote. Putain. Terrible. La taco m'a tué. Hop. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Comme ça, on attaque le vrai point, parce qu'au final, on était sur de la révision. Révision qui a pris un petit peu de temps. Mais voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que let's go? Est-ce qu'on peut apprendre à Blinils à dire « J'ai fait un mème avec ce le » Tout le monde gagne. Candy bug i des t t des kilu. Bug. Hein. Arigato, Kamita Zazen. Bloop. Ah, bloop shimasu, hein, aussi. Hein, voilà. Bloop shimasu. Poisson plus moustache égale poisson chat. Ragnar plus 95 de saumon et... Oh bordel. Bah Monique, il est en train de nous faire des identités remarquables. Bah Monique, ça va? Toi aussi, est-ce que tu veux en parler? On peut en discuter avec Blinis, hein, et compagnie. Et à Cloto, j'ai fait un chouette atelier. Je vais un atelier génial. Mimushimashita, t'as mimé? Tiens, ma Monique est en train de péter un fusible. Ah, ma Monique, je crois que je soupçonne ma Monique d'avoir mangé un 95% de saumon. Je le soupçonne. Je le soupçonne. Même. Ah, trop bien! T'as fait un mème? Ah non, ça. Ok. Merci, Cloto. Merci pour le partage. Blinis, tu viens de nous faire une phrase. Watashi no oba-san o denwashimasu. Je téléphonerai à ma grand-mère, si je dis pas de bêtises. Attends, par contre, faut pas utiliser O là, faut utiliser ni pour dire A ma grand-mère. Cela, sinon, tu le dis que ta grand-mère c'est un COD. Il me semble que c'est. Y'a pas une exception sur Denwa Shimas? Elle est sympa. Y'a pas une exception sur Denwa Shimas? Est-ce qu'on peut utiliser O pour appeler quelqu'un?
Une vieille remembrance qui me vient, mais je me confonds de verbe peut-être. Odo-chan! Odo-chan! Gome. Bonjour à toi. Comment ça va? Comment ça va? Hop, allez, on va attaquer la deuxième partie. Attends, mais ils sont en suspens, hein. Ils sont en suspens. Le temps qu'un senpai intervienne. Ta-da-ta-ta, hop. Hop, 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 hop. Je pense pas, je suis toujours utilisé. Ah, c'est Sampo Oshimas. C'est bon, ça vient de me revenir. Ok, oui, c'est ni. Oui, c'est. Tu utilises ni pour dire à la personne. Non, c'est moi qui. Je suis concentré sur beaucoup de choses en même temps et du coup, des fois, ça s'entremêle. C'est pour ça que j'appelle votre bienveillance. Oh, Do-chan! Bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. On est en pleine session de la Taku Academy, c'est une session d'initiation au japonais. On prend une notion de japonais, on la vulgarise, on crée des phrases autour de ça, on se les partage sur le Discord. En tout cas, sois le bienvenu. Je sais pas si t'apprends le japonais, enfin en tout cas ton pseudo a l'air d'être porté vers le Japon. N'hésite pas à nous dire hein, si t'apprends le japonais, si tu parles japonais. Également, n'hésite pas à me dire si je dois dire il ou elle, ou si tu as d'autres pronoms que je dois employer. Bienvenue à toi en tout cas, bienvenue. Let's go! C'est quoi ce truc là? C'est bon, Ah, il reste une phrase. Je lis la dernière phrase, la phrase de Cloto, et après on attaque sur la forme qu'on veut voir. Alors c'est elle, parfait, elle, voilà, comme ça moi je fais pas d'erreur. N'hésitez pas hein, d'ailleurs si vous voulez faire afficher vos pronoms au streamer, vous pouvez aller sur ce site, vous vous connectez avec votre compte Twitch, et vous indiquez vos pronoms, et moi j'ai une petite extension qui me dit si je dois dire il, elle ou un autre pronom. Alors c'est elle, et oui j'apprends le japonais, mais il y a encore des notions même de niveau débutant que je comprends pas, parce que moi et la grammaire ça fait 1000, d'accord, ok, mais bienvenue à toi Odo, et Odo-chan, bienvenue à toi, et bah écoute j'espère que tu vas te plaire aujourd'hui, bah tu arrives justement sur le point de grammaire qu'on va aborder, enfin on n'aime pas trop parler de grammaire, on n'aime pas trop parler des mots qui font peur ici, là plutôt on aime bien plutôt mettre en avant ce qu'on va apprendre, ce qu'on va être capable de faire, en l'occurrence là ici on va parler du fait, on va exprimer ce qu'on est capable de faire justement, justement c'est ça qui est cool, c'est on va dire je peux faire ça. Je suis capable de faire ça. C'est ça qui est cool. C'est de pouvoir, c'est de dire ce qu'on est, le pouvoir, être capable. Et ça, on va l'exprimer avec dekimasu. Dekimasu. Je vais vous montrer ça juste après. Juste avant, je lis la dernière phrase qui a été postée dans le Discord, parce que comme ça, ça a un rapport avec Solu. Ça veut pas dire que je lis cette phrase-là et que c'est fini avec Solu. Si vous voulez faire encore des phrases avec Solu, vous êtes libre de le faire. Mais là, on va passer aussi au gros de la fin pour terminer cette Taku Academy. Oui, parfait. Au niveau du timing, on est bon. Donc ça va. Cloto, c'est bon, je peux lire. Je vois que tu rajoutais des trucs. Let's go.
Ah, n'hésite pas à nous rejoindre dans le Discord. On poste les phrases dans le Discord parce que dans le chat Twitch, ça disparaît trop vite et on peut pas corriger, donc c'est un peu embêtant. Donc si tu veux nous rejoindre sur le Discord, tu peux faire point d'exclamation Discord et nous rejoindre. Alors, Daigaku de Bungaku o Benkyo shimashita. Putain, incroyable la phrase. Ok. Kino Sakubun Shimasen deshita. Sakubun, je sais plus c'est quoi Sakubun. Ça, c'est un truc. Ah, ça, Sakubun. Elles sont cool, tes phrases. Cool, vos phrases. Là. Tout le temps, vous faites des phrases cool, les gens. Je sais pas comment vous trouvez l'inspi, là, tout le temps. Écrire. Ah oui, d'accord, ok. Kino, donc hier, Sakubun Shimasen deshita. Hier, j'ai pas écrit. Hier, j'ai pas écrit, tu parles de ton atelier d'écriture. Hier, tu n'as pas. T'as animé ton atelier d'écriture. Hein, vous savez, celles et ceux qui débarquent. Cloto, que vous avez dans le chat, que vous voyez avec l'épée de modératrice, et qui m'aide aussi dans la réalisation et la finition de certaines choses autour de la Taco Academy, qui est un soutien incroyable. Le vendredi soir, c'est atelier d'écriture par chez elle. Donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir si jamais vous ne connaissez pas encore ça. Ça parle de livres, ça parle de littérature, ça parle de plein de belles choses, ça parle de langue française. Et également, il y a un super Insta qu'elle a lancé. D'ailleurs, là, en ce moment, elle est en plein calendrier de l'Avent. Tous les jours, une publication. Tous les jours, il y a une publication autour d'anecdotes sur la langue française, sur les mots. Plein de curiosités, c'est super. Vraiment, c'est super. Moi, j'apprends toujours plein de trucs. Il y a des trucs que je connaissais un peu à moitié, tu vois, mais là, le fait de les voir comme ça, en plus, la DA est vraiment grave. Elle est vraiment, vraiment graou, j'allais dire. Elle est vraiment cool, la DA. T'as fait du super boulot, franchement, GG. J'en profite pour te le dire là, parce que je te l'ai jamais dit. Mais franchement, putain. Et t'as dit, ouais, je vais poster, vous inquiétez pas. Ah ouais, on s'est pas inquiété. Bam! Ok. Donc les deux premiers, ils sont déjà comme ça. Putain, quand il va en avoir 25, ça va être incroyable. Être incroyable. Donc du coup, Kino Sakubun Shimasen deshita. Donc hier, tu n'as pas écrit, ok. Enfin, la première aussi, elle était cool. Dernière, Shiba. Qu'est-ce que c'est que ça? Shiba. Lyoko Shimasen. Alors Shiba, je connais pas. Lyoko. Lyoko, c'est voyage, ne pas voyager, Shiba. Shiba. Often. Oh, c'est un adverbe. Oh, je connaissais pas celui-là. Again and again, fréquemment. T'as pas voyagé fréquemment. Souvent. Tu cherchais souvent, mais. Peut-être que Yoku, ça passait aussi. Yoku, ça veut dire bien, mais aussi, il y a peut-être beaucoup aussi. Et souvent, c'est... J'en ai un autre qui vient, c'est Itsumo, mais non, Itsumo, c'est toujours. Tokidoki, c'est de temps en temps. Ouais, j'avais Itsumo. Shiba, Lyoko Shimasen. J'aime bien Shiba, ça passe, écoute, fréquemment, je n'ai... Enfin non, attends, on est sur une forme non passée. Pourquoi je pense en passé, moi? Je suis fatigué. Je ne voyage pas souvent, je ne voyage pas fréquemment, ouais, c'est bon. Itsumo. Ouais, Itsumo. Ah oui, j'ai dit Yoku. Oui, c'est vrai, tu as raison, Itokatsu. Tu as raison. On l'a vu dans la Taco Academy. Parfait. Le rebond est excellent. Amari. Et qu'est-ce que tu dis, Jérémy Matero? Shiba, souvent, encore et encore, fréquemment, à plusieurs reprises. Ok. Il est trop cool, ce mot. Shiba. Je connaissais pas celui-là. Et Shiba, il peut s'employer qu'une négation, du coup? Cool, cette phrase. Moi, j'ai Shiba, je kiffe. J'aimerais bien m'en rappeler.
Ouais, mais Itsumo... Plutôt partir sur Amari. Anne-Marie ? T'as fait une faute de frappe, Itokatsu ? Anne-Marie ? Ça se dit les deux ? Amari et Anne-Marie. Ah ouais. Ah ouais, les deux se disent. Je sais pas si t'as fait une faute de frappe, enfin je pense pas, mais... Ah, Itsumo, au négatif, ça donne jamais. Et c'est ça qui me gênait dans le sens de Itsumo, c'est que je sentais qu'il y avait un truc qui sonnait comme... ferme et définitif. Amari convient mieux, tout à fait. Et pas Yoku, comme j'ai dit, parce que Yoku, plutôt sens positif. Mais Shibashi... Eh, Tabi Tabi... Après, il y a des nuances, hein. Je veux dire, on peut dire que je ne voyage pas souvent, je ne voyage pas fréquemment, je veux dire, c'est la même chose, hein. Je veux dire, au final, on comprend la même chose, hein, que ça, que voilà. Rigolo, très rigolo. C'est ça qui est cool avec vos recherches. Trouver des mots que... Des mots étonnants. J'aime bien. Allez, let's go, on attaque, on enchaîne! On va enchaîner avec la suite. Attendez, je fais juste un réglage. Merci à tout le monde, merci Cloto surtout pour la phrase, le partage, la recherche, là hop, ah, boum, sort des mots de vocabulaire, ça c'est cool, ça fait plaisir. Allez. On va passer au thème du jour, le thème qui nous a... Pourquoi il y a un trait qui a merdé, là ? On va passer au thème du jour. Voilà, parfait. Parfait. Kebab au poisson, ma Monique, terrible. Le thème du jour, oui. Pouvoir, être capable, tu as le pouvoir dans ta main. Odo-chan, arigato, follow, j'te korete. Arigato gozaimasu, merci pour le follow. Merci beaucoup, merci infiniment. Ça fait grave plaisir. Deuxième follow de la journée, putain, c'est cool. Est-ce qu'on aura autant de follow que de sub-gift qu'on a eu aujourd'hui? Je vous rappelle le défi du jour, hein, si le sub goal est explosé et qu'on dépasse les 800, je mange un curry très épicé lorsque j'irai au Japon. Terrible, ça n'arrivera pas, et moi j'en suis plus que ravi. Pouvoir, oh là, ça c'est moche. Oh, ça c'est moche aussi. Pouvoir être capable... Capable. Allez, on va l'utiliser avec Dekimas. Ok. On est bon ? Ok, c'est tout bon.
Oh là, oh là, oh là. Je vais reprendre ma petite case, comme ça je peux la recolorier facile. Hop, je vais vous donner la structure, comme d'hab. Vous allez pouvoir faire des phrases dans le Discord. Avec plaisir, Odo-chan. Avec plaisir. Reviens quand tu veux. Prochain stream, c'est lundi 10h. Si jamais t'es dans le coin. Profite bien de ton week-end et au plaisir. Profite bien de ton week-end. Hop, let's go. Alors du coup, je vais vous donner une petite structure avant de faire un petit récap. Hein, comme d'hab, je vais vous faire ça dans un petit coin de brouillon. Et comme ça, vous allez pouvoir commencer à créer vos propres phrases. Vous allez pouvoir commencer à faire vos propres phrases. Ça sur le côté. Alors, on a vu ensemble, juste avant, comment on construisait avec ce le. Comment on construisait les noms avec ce le, hop, etc, etc, etc. Donc ça, ça va être pratique, parce qu'on va pouvoir, reprendre cette manière de former, on va pouvoir reprendre ça pour pouvoir dire qu'on est capable de, avec les noms. Avec les noms. Déjà, on va commencer avec les noms, et après, on va voir aussi comment on peut dire qu'on est capable avec d'autres éléments dans la phrase. Donc, on utilise donc Dekimas avec un nom pour dire je suis capable de faire. Je suis capable de faire. Donc, on va reprendre exactement les mêmes éléments qu'on a vus précédemment, et du coup, on va juste rajouter, là, au lieu de mettre seru, on va mettre la structure pour indiquer qu'on est capable de faire ça, on peut faire ça là-dessus. Donc la structure, elle est simple, c'est nom, les mêmes noms que vous avez eu tout à l'heure, hein, par exemple Benkyo, Lioli, par exemple, Lioli c'est pas mal ça, Lioli. Vous rajoutez ga, et ensuite vous mettez dekimas. Et votre nom, juste là. Ensuite, vous avez Dekimas qui est juste là. De la même manière que tout à l'heure, hein, aussi, on peut refaire cette structure, pareil, en ajoutant un COD devant. Hein, Donc ça va faire COD et O. Particules toujours en rouge, bien sûr. On aime bien cette couleur. Du coup, ça nous donne quoi? Bah, par exemple, Ryori ga dekimasu. Je peux cuisiner. Je suis capable de cuisiner. J'ai cette faculté-là. Ou on peut dire aussi... on peut dire aussi, par exemple... qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre avec ça
On peut utiliser avec un COD par exemple. Moi je vais vous laisser chercher en vrai. Ah, je vais vous laisser chercher en vrai. On peut l'utiliser avec des disciplines, des hobbies, des activités, par exemple. Hein. Par exemple, une activité pour préparer à manger, par exemple, hein, pour dire, voilà, Lioli, la cuisine. Lioli, shimas, cuisiner. Lioli, ga, dekimas, je peux cuisiner, je suis capable de cuisiner, bah, par exemple, de cuisiner quelque chose, par exemple. Est-ce que vous avez des idées de phrases? Est-ce que vous allez me remplir ce Discord? Attendez. Là. Premier truc. Par exemple, vous pouvez dire que, du coup, on peut dire tu es capable d'accomplir de grandes choses. Par exemple, on peut utiliser ça aussi avec une langue, par exemple. Nihongo ga dekimasu. Je sais parler japonais. Watashi wa nihongo ga dekimasu. Je sais parler japonais. Ça, c'est possible aussi. Attends, la traduction, c'est « non est capable de COD ». Bah, si dans certaines phrases, t'as ça, tu peux le faire, ouais. Je vois pas comment on peut l'utiliser. Alors, attends, je vais essayer de te faire une phrase. Attends, j'ai pas d'idée qui me vient en vrai. Tu peux étudier. En vrai, c'est plutôt... Toi aussi, Kamitaiza, t'étais séché. Ouais, en vrai, plutôt avec no, je verrais. J'ai une phrase qui vient avec no. Alors, attention. Là, tu vas trop vite. Verbe pour l'instant, il y a certains verbes, on va y arriver sur justement ça, on va y arriver sur cette partie là, juste après, mais là plutôt dans le cas de par exemple j'aurais plutôt utilisé no par exemple Nihongo no Benkyo o Nihongo no benkyo ga dekimasu. Par exemple, je peux étudier le japonais. Je suis capable de le faire, par exemple. Ça, tu peux. Mais du coup, ouais, c'est vrai que... Ça serait plutôt dans le cas d'un verbe. Dans le cas d'un nom, on va peut-être rester simple. Vas-y, Kamitaiza, ils m'ont fait moi rêver. Attends, c'est le nom, t'as marqué quoi? Yasai o... Lyori. Yasai o lyori ga dekimasu. Je suis capable de cuisiner. Les légumes, oui. Les légumes, c'est trop dangereux. Non, les légumes, moi j'ai complètement banni ce mot de vocabulaire. J'ai dit, on va le laisser de côté, on va l'ignorer.
Oui, pour le nom Gadekimas, en fait, non, le COD, il va pas être porté là, parce que du coup, on va avoir besoin d'un verbe. C'est moi qui me suis planté. Non, non, mais non, c'est normal, Kamitaiza, en fait. Je suis en train de me dire que... Non. Ça, on va le... Regarde, hop. Ouais, on va le mettre de côté, ça. Parce que ça, ce sera avec... on va faire simple. On va commencer très simple. Là, c'est moi qui m'embrouille l'esprit plus qu'autre chose. Voilà. Hop, on va commencer très simple. Déjà, on va faire des phrases juste avec ça. Avec nom d'Ekimas. Je peux faire le nom, exactement. Exactement. Vous prenez un nom. Donc le nom, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure avec tous les mots qui passent avec les serus, par exemple. Hein, tout ce que vous associez avec Shimas. Et là, vous dites ça, nanana, let's go, c'est bon. Comme ça, vous pouvez commencer à faire déjà quelques petites phrases simples. Ça vous permet de vous lancer là-dedans. Attendez, je récupère ma fiche récap. Donc moi, par exemple... Par exemple, on va dire que dans les verbes en sulu qu'on avait tout à l'heure, hop, vous vous souvenez, il y avait benkyo, mariage, shitsumon, denwa, par exemple. Là, voilà, on veut dire qu'on peut étudier. Ben voilà, on va dire benkyo ga dekimasu. On veut dire que on est capable, on peut se promener, par exemple. Hein, on peut se promener. Sampo ga dekimasu. Pourquoi on pourrait dire qu'on peut se promener? Ben, par exemple, parce que le temps est beau. Là, je vous donne un bout de phrase. C'est vrai que juste dit comme ça, on peut se promener, je suis capable de me promener. Pourquoi il dit qu'il est capable de se promener? Mais n'oubliez pas qu'après, il y a un contexte qui va faire que juste déjà le fait de dire qu'on est capable de faire quelque chose, après, vous allez pouvoir élargir votre phrase et dire une phrase un peu plus construite avec les éléments des Taco Academy précédentes, où vous allez dire, par exemple, parce que le temps est beau. Souvenez la forme avec kara pour donner la justification. Tenki ga i kara. Sampo ga dekimasu. Je peux me promener parce que le temps est bien, le temps est beau. Ça va servir à ça. Donc, des fois, ça peut être un peu décousu. Vous pouvez vous dire, attends, mais là, je fais juste une phrase. Je peux me promener. Bah, ça veut rien dire. Je peux étudier. Ok, je peux étudier, mais après vous allez pouvoir mettre un contexte un peu plus grand, vous allez pouvoir élargir votre phrase en disant, en donnant des justifications, en donnant des causes, en donnant d'autres choses. Donc déjà sur les noms, voilà, un nom très simple, nom, ga, dekimasu, on peut faire ce qui est marqué là-bas. Ça c'est la première partie. Je vous laisse commencer à faire quelques petites phrases, moi je vais commencer à faire le petit résumé au propre, quasiment. Ah! Pourquoi j'ai fait ça? Terrible. Attendez, il faut que je corrige ça. Avec un nom. Descendre comme ça. Donc, on utilise. Je vais aller voir vos phrases dans le Discord. Hein.
on utilise des Kimas. Salut Curast, comment ça va? Hop là. Pour dire, mon E est terrible, hein. Mon E est des enfers. Mal au crâne, ah terrible. Courage, courage, courage. Je vois vos premières phrases dans le Discord, elles me font rire, c'est parfait. Incroyable. Allez-y, allez-y, allez-y. On va rire. Il y en a qui sont déjà partis dans des déclinaisons, hein, vous l'avez compris. Tekimas va se décliner de la même manière que Shimas. Mais bon, essayez déjà de faire la phrase simple. Pour dire... Bah, pour dire quoi? Pour dire quoi? Je suis capable de... Je suis capable de faire... Ah, Dekimas va remplacer en fait celui, hein. Il va amener le... Il va amener le verbe à la forme potentielle, hein, faire à la forme potentielle. Donc il s'utilise. Il s'utilise avec les fameux seureux. Est-ce que ça se dit... C'est quoi? C'est laïche... Attends, ça me dit... ça me parle, Cloto, ce mot-là. Ça me parle de ouf. Tu parles de la semaine, mais... Shiomatsu. Ah, week-end. Ouais, ouais, c'est ça. Shiomatsu. Ah, merci, merci, merci. Merci d'avoir mis dans le chat. Shiomatsu des. Oui, tout à fait. C'est le week-end. C'est le week-end. Tout à fait. Exactement. S'utilise avec les suru, des noms de disciplines, de hobbies, activités. Nom de discipline. Activités, des hobbies, etc. Enfin voilà quoi. Tout. Assez, assez large. Tout ce qu'on peut dire qu'on est capable de faire ou de ne pas faire, en fait, en final. Voilà. Hey. Diantre. Oh cool. Ah trop bien. Hâte de découvrir ta phrase, Cloto. Merci Jérémy, merci les senpai, merci beaucoup aux personnes qui aident et qui proposent d'aider les personnes qui sont en train de découvrir ça avec nous là. Merci beaucoup. J'espère que vous passez un bon moment. Que vous découvrez, que vous redécouvrez certaines choses. Je crois que t'as un peu de fièvre. Oh, Jérémy, courage, courage. Quelle heure il est là chez toi? 22h30. Ouais, ouais, va te reposer. Repose-toi bien. Et j'espère que demain matin, ça ira mieux pour toi.
J'espère que ça ira mieux pour toi. Courage, courage. Toujours des... Il y a une petite merde là qui traîne là, enfin par chez moi en tout cas. Structure. Ouais, un très bon établissement à toi. Non. Gars, terrible. Voilà, nous on gagne des Kimas. Voilà. Let's go. Hop. Elles sont cool vos phrases. Elles sont cool. Elles sont cool. Trop trop cool. Je vais aller lire vos phrases. Attends, je note juste exemple. Les exemples, c'est les vôtres. Hein. Les exemples, c'est les vôtres. Je remplirai cette partie... Enfin, je veux dire, je vais prendre les exemples à partir de ce que vous avez fait. Et je regarderai le reste... je remplirai le reste après. Vous l'avez compris, Dekimas, on a bien un verbe... Dekimas, qui est ici avec la terminaison, et bien entendu, Dekimas se décline. Il va se décliner. Il va se décliner avec les formes habituelles. Donc on va avoir Dekimas, ça va nous donner la forme négative, ça va nous donner Dekimasen. La forme passée d'Ekimashita. Et la forme passée négative d'Ekimasen Deshita. Ok. On a nos formes. Présent. Terrible. Présent, passé. Non, merde, j'écris machinalement sans lire. Négatif. Passé. Et enfin, passé négatif. Ok. Comme ça, vous pouvez faire vos déclinaisons. Vous pouvez faire vos déclinaisons de phrases, voilà, jusqu'à présent on a vu ça. Je vais lire vos phrases dans le Discord, vous pouvez faire hein, avec votre nom, ga dekimas, ga dekimasen, ga dekimashita, ga dekimasen deshita. Hein, vous pouvez dire que vous êtes capable, vous n'êtes pas capable, vous étiez capable, vous n'étiez pas capable. Incroyable.
Je vais voir vos phrases dans le Discord. Je commence à les lire dans ma tête. Alors. Ouais, c'est bon. Ryori ga dekimasen. Qui a mis ça? Qui a mis ça? Ryori ga dekimasen. On a pris le nom, hein, Ryori. Ryori suru, cuisiner. Ryori ga dekimasen. De faire ça, ça, on passe à forme négative, ne pas être capable de, ne pas pouvoir. Et du coup, bah, c'est Jérémy Matero qui nous dit, Ryori ga dekimasen, je ne peux pas cuisiner, je ne... pas possible, pas possible, je suis pas capable de cuisiner. Incroyable. Arigato. Arigato. Unten ga dekimasu. Unten conduire. Unten ga dekimasu. Je peux conduire, je sais conduire. Ok, très bien. Ok, ça marche. Kamitaizai, tu nous proposes shoki arai. Ok. Shoki arai. Je connais pas ce... Attends. Arai. Laver. Faire la vaisselle? J'essaie de comprendre avec les kanji. Fais voir un peu. Dishwashing. Yes! Cool. Merci les kanji. Kanji, arigato. Ok, shoki arai ga dekimasu. Je suis capable de faire la vaisselle. Bon, bah écoute. Parfait. Sympa ce mot de vocabulaire. Shoki arai. Shoki. Kiarai, prononciation un peu exotique là, avec cet enchaînement de petit yo et interruption, et de ki, là, j'aime bien la shoki arai. Omoshirokata. C'est déjà bien pour n'importe qui, Kamita Izai. Attention, hein, lancement de débat sur les tâches ménagères et compagnie, là, ça... Merci, Maopaline. On va masquer ça avec un nuage de pétales de fleurs de cerisier. Alors attends. Yasai o ryori ga dekimasu. Oui, voilà, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, enlever le O, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Merci Itokatsu, merci Itokatsu. C'est drôle, je te laisse regarder ce que Itokatsu a mis. Je fais juste une pause, j'ai mon nez qui est en train de se... C'est terrible, je suis enrhumé, mon nez qui est en train de se boucher, je reviens deux secondes.
Des bisous, Crystal. Un chat d'onde moderne, oui, voilà, exactement. On fait ces choses, on n'en est pas fiers, c'est normal de les faire. Et très bon cours à toi, mon cher Crystal. Très très bon cours. Très bon cours. Kyoto, qu'est-ce que tu nous dis ? Shiomatsu desu kara pan ga dekimasu. Oh, super ! Parce que c'est le week-end, je peux faire du pain, t'as le temps de le faire, quoi. On comprend, hein, ça c'est bien, parce que tu vois, il y a un sous-entendu et tout, quoi. On comprend cette notion de c'est le week-end, on a du temps, on a la possibilité de faire ça, quoi. Trop bien. Trop bien. Trop, trop bien. Ok. Je vous ai donné les différentes nuances que vous pouvez avoir, hein, avec ça. Avec les verbes à la forme passée, à la forme négative, etc. Je vous laisse faire encore quelques petites phrases, si vous voulez, autour de ça. Mais également, je vais vous donner encore une nouvelle corde à votre arc. Je vais vous donner une nouvelle corde à votre arc. Parce que là, on a utilisé un nom, maintenant on va utiliser un verbe. On va utiliser un verbe. Voilà, toujours pour dire qu'on est capable de... Tout à l'heure, on disait « on est capable de faire ». Là, maintenant, on est capable de, et c'est le verbe qui va dire qu'on est capable de quoi. Le verbe va dire on est capable de quoi. Pour ce faire, on va utiliser un verbe à la forme neutre. Verbe à la forme neutre ou appelé également la forme dictionnaire. Ça tombe bien, vous utilisez un dictionnaire, vous utilisez Jisho. Quand vous cherchez, un verbe dans Jisho, bah, il apparaît directement la forme neutre. Donc, boum, let's go, quoi. Let's go. C'est ça, verbe forme neutre. Voilà. Je rentre pas plus dans les détails. Il y a une session d'Attaco Academy qui est prévue pour ça. Verbe forme neutre, ok, je vérifie un truc, excusez-moi. Verbe à la forme neutre, plus on va rajouter la formule consacrée, kotoga dekimasu. Voilà. J'ai oublié de mettre le point là. Verbe forme neutre plus kotoga dekimasu pour dire que on est capable de quelque chose. Par exemple, vous voulez dire que vous êtes capable de manger, parce qu'on aime bien manger, ben vous prenez la forme neutre de manger. Si vous la connaissez, vous la connaissez. Si vous la connaissez pas, ben vous ouvrez Jisho, par exemple. Vous ouvrez Jisho. Attendez, je vous mets Jisho. Voilà. Vous ouvrez Jisho, vous lui dites manger. Ah, manger. Et là, ce qui est génial, c'est que comme vous êtes dans un dictionnaire, il vous sort immédiatement la forme dictionnaire ou la forme neutre, c'est la même chose, hein, c'est juste deux appellations différentes, du verbe manger. Voilà, c'est ça. Manger, taberu. Donc on va mettre taberu. On va mettre taberu. Juste là, à la place du verbe à la forme neutre.
Et du coup, ça nous donne Taberu Kotoga Dekimasu. Je suis capable de manger, je peux, je suis capable de manger. Voilà. Et bien sûr, c'est là qu'on va pouvoir mettre également un COD avec le verbe. Par exemple, vous pouvez mettre Sushi o Taberu Kotoga Dekimasu. Je peux manger des sushis. On peut rajouter un COD. Et bien sûr, on peut ajouter un thème de la phrase, par exemple. Hein, si on peut... Voilà. Watashi wa. Si on veut, mais bon. On comprend qu'on parle de soi-même quand on fait ça. Ok, ça va ? Voilà la structure. Verbe, forme, note, plus kotoga, dekimasu. Je suis capable de... Et ensuite, vous pouvez faire également avec un... comment ça s'appelle ? Avec un COD. Par exemple, vous voulez dire « Je suis capable de chanter », ça va vous donner « Uta o kotoga dekimasu ». Je peux chanter, je suis capable de chanter. Voilà, on indique le fait qu'on est capable de. Je peux chanter, tout à fait. Je peux manger un curry. Par exemple, je vais reprendre l'exemple tout à l'heure, la phrase là que Cloto a sortie sur le fait que je dois manger un curry. Kare o taberu koto ga dekimasu. Je peux manger du curry. Ou je peux même rajouter un curry épicé. Karai kare o taberu koto ga dekimasu. Je peux manger un curry épicé. Je peux manger un curry qui est fort. Et vous êtes capable de quoi? De quoi est-ce que vous êtes capable? Dites-le. Donc là, on a vu, avec un nom, première partie avec un nom, on est capable de faire, je suis capable de faire, ça s'utilise avec les celui, mais aussi avec les disciplines, les hobbies. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, avec une discipline, ça peut être par exemple le japonais. Nihongo ga dekimasu, je peux parler japonais. On peut prendre aussi des activités, un hobby par exemple. Par exemple, tout à l'heure, j'avais trouvé un mot assez rigolo, le amimono. Amimono ga dekimasu. Amimono, c'est faire du crochet, faire voilà. Faire des petits hobbies rigolos, quoi. Voilà. Vous pouvez utiliser des hobbies, vous pouvez utiliser les verbes qu'on a vus avec seru tout à l'heure pour créer les phrases et déjà juste dire que vous êtes capable de faire ça. Mais si vous voulez dire que vous êtes capable de avec un verbe, vous prenez le verbe à la forme neutre, vous ajoutez kotoga dekimasu. Juste là, c'est le deuxième point qui est juste ici, là, avec le petit point en rouge là que je vous mets là. Juste là. Donc, verbe forme neutre, par exemple, taberu, manger, taberu kotoga dekimasu, je peux manger. On veut dire que je peux manger quelque chose, mais on va rajouter le COD devant. Par exemple, kare, sushi, je sais pas, des choses diverses et variées. Let's go. C'est comme ça que vous allez construire votre petite phrase. Et je vous invite à nous dire dans le Discord de quoi vous êtes capable. Vous êtes capable de quoi, vous, les amis? Dites-moi, je vois qu'il y a quelques phrases là qui sont en train de popper là, let's go! Allez! Hémopaline qui doit filer, très belle journée à toi, Hémopaline. Hémopaline, on se revoit quand? On se revoit lundi? Lundi, 10h au Germiland? Let's go! Ça marche? Et sur les streams des amis aussi, peut-être? Genre demain? Demain? Non, c'est pas grand quiz? Non, grand quiz, c'est passé là. Demain, tu fais quoi, Cloto, sur ton stream? Ce sera revue de presse littéraire? On profite, il y a les amis, il y a la team qui est là. Hop, yep, ok, revue de presse, let's go. Oh, attends, en plus, ça va parler du Japon, je crois. T'avais dit un truc, ça allait parler du Japon, je crois. Et des jeux, ah, le petit bac, let's go. C'est ça? Enfin, je me hype tout seul, mais ça se trouve, c'est pas ça du tout. Ou c'est quel auteur est Morani? Devine à quel auteur je pense, pardon. Sur mon petit bas. Ok, cool. Cool. Putain, ça va être chill, ça va être posé, ça va être trop bien. En plus, demain, il pleut, il va pleuvoir. Voilà, remarque, il y a une éclaircie, là. Oh. Petite éclaircie, c'est cool, ça fait plaisir. Yes.
Trop bien. Ils annoncent un dimanche bien sympa. Quelle couleur on va mettre là? On va mettre du rouge, tiens. On va mettre du rouge. Hop. Salut Xels, tu me dis comment je dois prononcer? Et bienvenue à toi, bienvenue, merci pour ton premier message. Salut, je compte partir au Japon dans un an et j'aimerais bien avoir un bon niveau. Qu'est-ce que tu me conseilles pour progresser rapidement? Alors déjà, est-ce que c'est il ou est-ce que c'est elle? Tu me diras, je veux pas te mégenrer. Si c'est un autre pronom, tu n'hésites pas à me le dire. Cloto conseille l'Attaquo Academy. Effectivement, ce qu'on est en train de faire, on est sur la fin de cette session de la Taco Academy où on est en train d'exprimer ce dont on est capable de faire, ce qu'on peut faire, pardon, ce que l'on peut faire, ce que l'on peut faire. Et chaque samedi à 11h, on fait une session pour les débutants en douceur, session tout en douceur pour découvrir les notions de japonais, tout ça. Après, moi, ce que je te conseille, et ça, c'est le conseil que je donne à tout le monde, c'est d'être régulier, du japonais tous les jours. 10, 15, 20 minutes en fonction de ton emploi du temps, puis également 2-3 fois par semaine, des sessions plus longues où tu prends 1 heure, 2 heures, 3 heures de ton temps pour faire ton japonais. Commence par apprendre l'alphabet, ce qu'on appelle les hiragana, les katakana. Une fois que tu connais ça, une fois que tu es capable de les reconnaître et de les lire, bah c'est bon, t'es capable de lire le japonais. Même si tu ne comprends pas, t'es capable de lire le japonais. Et ça c'est super important. C'est super important pour la progression, tout ça. Et après, alors, t'as besoin d'apprendre vite et rapidement. Je pense qu'un sensei serait un bon point d'avoir un professeur, soit à distance, soit en IRL. Regarde dans ta ville s'il y a des écoles de japonais. En général, t'en trouves assez de partout. Je sais pas de quel coin tu es. Moi, je suis sur Nice. Si jamais t'es sur Nice, je pourrais te donner quelques adresses. J'ai aussi un contact à Paris, d'ailleurs. Et voilà, en autodidacte, si t'es très 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 régulier, très carré et tout, tu peux y arriver aussi. Tu peux y arriver, mais c'est vrai que peut-être avoir un vrai prof qui te permet de te lancer dans le bain, qui répond à tes premières questions et qui évite les premières frustrations et qui balaye les premiers nuages, ça peut aider à se lancer et ça permet de faire ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai commencé avec un prof et au bout d'un moment, j'ai volé de mes propres ailes. Et là, maintenant, ça fait 2 ans et demi que je fais du japonais tout seul. Tout seul, j'apprends tout seul, j'avance dans mes leçons, etc. et tout. J'ai mes bases et puis voilà, quoi. Let's go. Est-ce que j'ai pu répondre à ta question ? N'hésite pas si t'as d'autres questions, s'il y a quoi que ce soit. En tout cas, ici, nous, on parle de Japon et de japonais. À chaque début de stream, pendant 1h30, 2h, 3h, on fait du japonais. On fait du japonais de différentes manières, que ce soit par des révisions, que j'ai pas fait depuis longtemps d'ailleurs, je tiens à le dire, par la découverte de textes. Par exemple, en ce moment, on est en train de faire le conte de la princesse Kaguya. Ça peut être aussi par des jeux, hein. On fait beaucoup de jeux autour du japonais. Le Kotoba, voilà, tous les jours, ça aide de ouf, exactement. Exactement, un petit jeu sur les mots en japonais pour progresser dans le vocabulaire. donc voilà. Alors là, j'étais en train de terminer la petite fiche. Quelle heure il est là? 15h03. Je vous laisse encore 5 minutes, 5 petites minutes pour envoyer vos phrases dans le Discord. Comme ça, vous postez dans le Discord des phrases en rapport avec... comment ça s'appelle, avec ce qu'on est en train de faire, et puis voilà, comme ça on lit ça et on va pouvoir se quitter. Je pensais en termes d'outils, ressources, listes. Ah bah voilà, bah parfait, la Cloto, elle vient de te donner la meilleure des ressources, jisho.org, l'étymologie avec les mots, etc. Il y a mon compte Instagram aussi où tu peux retrouver les récaps des fiches de la Taco Academy, hein, c'est des fiches niveau débutant, ça peut t'aider aussi. Il y a le Discord de la chaîne, également en termes de ressources disponibles en ligne, Jisho, c'est incroyable, ce dictionnaire est vraiment, vraiment, vraiment très très bien quand on sait l'utiliser et tout. Il est pas très compliqué, hein, vraiment.
Vraiment, il y a ça, c'est vraiment parfait. Après, tu as des sites, hein, tu as plein de sites qui peuvent te donner des explications quoi. Moi, je les utilise en complément. Mais je suis très... Je suis à l'ancienne, hein. Moi, j'ai besoin d'apprendre avec des bouquins, donc j'ai acheté beaucoup de livres. J'utilise notamment, quand j'ai, moins maintenant, mais quand j'ai commencé, la série des Minna no Nihongo, qui est traduite en français également. Et voilà, là, t'apprends le japonais comme vraiment, vraiment les écoliers au Japon apprennent le japonais, si je puis dire, d'une certaine manière. Donc voilà, il y a ça. Il y a le Maneki Neko aussi, qui est pas mal en termes de livres. Pas mal. Si après, tu tombes amoureux des kanji et que tu veux une ressource avec le manuel et le lexique de tous les kanji, bah, y a ça qui peut être pas mal aussi, le kanji tokana, mais ça, c'est peut-être un peu plus avancé. Je te le conseillerais peut-être un peu plus tard. Mais déjà, pour commencer, débuter... avancer avec une structure et avec un contenu qui est quand même assez carré, les Minna no Nihongo, perso moi je dis oui plus. Les liens sont disponibles dans le Discord de la chaîne d'ailleurs, il y a des liens pour aller vers la boutique de Verasia pour les commander, et il y a d'autres ressources aussi, des petites applis pour téléphone ou quoi, donc n'hésite pas à passer sur le Discord si jamais tu veux un peu plus de ressources, parce que là j'ai pas tout en tête. Et puis voilà. Et après, en complément, n'hésite pas à repasser sur le stream aussi, parce qu'on parle beaucoup de Japon, on parle beaucoup de japonais, on fait beaucoup de japonais, tous les jours on fait du japonais, à chaque stream on fait du japonais, et on prend notre temps, et quand t'as des questions ou quoi, dans le Discord, il y a un salon qui est dédié aux questions, un salon qui est dédié à l'entraide, pareil sur le stream, on prend toujours le temps pour faire ça, un peu moins le samedi, parce qu'on a un contenu qui est dirigé vers ce qu'on a préparé, donc là aujourd'hui c'est pouvoir être capable avec des kimas, mais sur les streams en semaine, le lundi, le jeudi, le vendredi, on est sur des streams où c'est ouvert à toutes les questions, et c'est un grand plaisir à chaque fois de prendre du temps pour répondre à chacune des questions, d'aller chercher, d'aller analyser et tout, c'est vraiment un plaisir sans nom. En tout cas, bienvenue à toi. Verbe. Il y a le livre Susume, tout frais, tout récent. Il y a l'autrice qui le présente sur la chaîne Tokimeki. Ça t'intéresse? Ah, ça m'intéresse, ça, Itokatsu. D'ailleurs, je me demande si je l'ai pas... Il est en librairie, parce que récemment, je suis passé dans ma librairie, et j'ai vu un livre de japonais que je ne connaissais pas du tout, et j'ai dit, putain, mais il est super bien fait. Oui, après, voilà. Après, on a la chance aussi dans la commu d'avoir des gens qui vivent au Japon, qui parlent japonais, des personnes qui vivent aussi en France et qui parlent très très bien japonais, hein, suivez mon regard vers ce pseudo rose qui pop dans le chat avec son diamant, qui sont toujours prêts à nous aider et à répondre aux questions. Livre Susume, j'aime beaucoup, Itokatsu, arigato, je copie ça, je me le mets de côté, j'irai jeter un petit coup d'œil, et si ça m'intéresse, si c'est pas bien, je te banne, voilà. Itokatsu... Ah oui, je t'ai dit, la confiance, elle est là. Hein. ça va, t'inquiète. Tout va bien. Ça aurait été Dark Hill, par contre. Alors. Ça, c'est pas la même avec Dark Hill. Hein. C'est pas la même du tout avec Dark Hill. D'ailleurs, qu'on salue le copain Dark Hill. Donc, on l'utilise donc pour dire... J'écris ce paragraphe et je vais voir le Discord et on va se quitter là-dessus. On utilise des kimas. Avec un verbe. Pour dire je suis capable de verbe. Donc la structure, on l'a vu juste là-bas. La structure, c'est verbe forme neutre. Verbe forme neutre.
plus Kotoga dekimas. Voilà, donc là on a une première structure, une seconde structure qui est là. Avec le COD, on peut rajouter un COD au début de la phrase. Hein. Diantre. Diantre ! Voilà, hop, j'ai fait, hop, la flemme. Voilà, et les exemples de phrases, je vous les ai déjà donnés à l'oral, et d'ailleurs, les exemples de phrases, on va aller les choper là-bas, dans le Discord. Je regarderai la rediff, j'ai raté la moitié, toujours ces petits-enfants qui viennent squatter, je m'en dis n'importe quoi. Jérémy, soigne-toi, à vue de nez, tu as 38 de fièvre. Tu crois ? Tu crois ? Tu crois s'il y a... Non, je crois pas. Hein. Pas eu de fièvre, j'ai pas eu de fièvre, je crois que je suis à 36,8, hein, comme d'hab. Je vais prendre ma température après, s'il y a. Merci. Let's go Discord. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme phrase? Oh, ce petit salon qui est popant. Qu'est-ce que ça donne? Japano Zoru wa tomodachi ni denwa ga dekimasen. Terrible, le japonosaure ne peut pas téléphoner à ses amis. Horrible. Kanari okane ga arimasen kara nihon ni sugu iku koto ga dekimasen. Ah là 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 là. Phrase de Kamita Isai. Très bien, avec la cause, hein, avec la cause qui est donnée là, hein, parce que je n'ai pas d'argent, je ne peux pas me rendre au Japon. Je ne peux pas me rendre au Japon. Belle utilisation avec je ne peux pas me rendre immédiatement, en plus j'ai rajouté sugu, un petit adverbe, sugu iku. Donc là on a le verbe aller, iki, ikimas, iku. Ferme neutre, iku koto ga dekimasen, je ne peux pas aller, je ne peux pas me rendre. Excellent. Sympa ta phrase, Kamita Isai. Très sympa. Salut Dolan ! C'est le drone. Oyogu koto ga dekimas. Ah, parfait ! Simple. Verbe, forme neutre, koto ga dekimas. Oyogu koto ga dekimas, je peux nager. Le japonosaure, incroyable. 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 Le défi pour la semaine, bah, ce sera de continuer à faire ces phrases-là et de pas hésiter à aller mixer ce qu'on a vu lors des sessions précédentes. Foncez, foncez, foncez. Regardez, prenez l'exemple sur Kamita Isai, avec la justification, la cause. On a eu des belles phrases comme ça pour ouvrir la discussion. Ah, vous pouvez faire des phrases simples aussi, hein, mais ne pas hésiter à aller mixer les différentes phrases. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Ah, on a une dernière phrase qui a été postée par Itokatsu. Tiens, je vais lire celle-ci. Tori wa sora o tobu koto ga dekimasu. Tori. Alors, on a une phrase intéressante. On a une phrase avec thème, COD, verbe, potentiel. Tori wa, les oiseaux. Sora, le ciel. O tobu, voler. C'est le verbe voler. Sora o tobu, voler dans le ciel. Ok ? Et là, koto ga dekimasu, peuvent voler dans le ciel. Les oiseaux peuvent voler dans le ciel. Oh. Oui, là, c'est pas COD, oui. Attends, excuse-moi, je vole. Attends, Kamita, on part après du COD. Voilà, après. Vole avec moi. Instant cringe. Volez. Venez. Venez, volez. Profitez de cet instant cringe, offert par Germiland. Incroyable. Qu'est-ce qu'il veut, le train de la hype ? Oui, les amis. Ah, ah, vous entendez.
Vous entendez ce que j'entends? Voilà, vous entendez le corbeau et tout, voilà, annonce officielle. Cringe, sort des snes. Cringe. Ça, c'est le train de la hype qui n'aura pas lieu, celui qui va nous emmener jusqu'au 800e sub du jour, parce que aujourd'hui, on s'était mis en défi de la communauté de exploser le sub goal, et si on dépassait les 800 là, sur les 716 aujourd'hui, j'avais un gage en allant, quand on va partir au Japon, de manger un curry ultra épicé. Eh ben, je suis content. Voilà. Jérémy Tsanoa, cringe Shima. Terrible. Terrible ogive. Comment ça, je fais du cringe? Comment ça, moi, je fais du cringe? Comment ça? Comment ça, je peux être cringe? Je suis l'incarnation du cringe, c'est ça? Non mais oh, terrible. Ah, là, c'est envoyé d'une façon très violente, hein. Mais tellement vrai. Incroyable. Incroyable. Aujourd'hui, les amis, on a fait un petit rappel sur la manière de transformer un nom en verbe. Manière de transformer un nom en verbe en utilisant seru ou shimas, parce que nous l'utilisons d'une manière polie, donc seru devient shimas. Verbe en japonais qui signifie accomplir, faire. On peut la coller à un nom pour créer un verbe. Lorsque vous cherchez les noms dans Jisho, vous avez l'indication à indiquer que ce nom peut être associé avec seru. Non plus shimas, ou COD, o non shimas, voilà. Et vous avez formé plein de phrases avec ça. Quelques exemples de vocabulaire, benkyo, étude, benkyo shimas, étudier, nihongo o benkyo shimas, j'étudie le japonais. Kekkon, mariage, kekkon shimas, se marier, shitsumon, shitsumon shimas, poser une question, etc., etc., etc. Voilà ce que nous avons vu avec ça. Bien entendu, on a vu que shimas pouvait se décliner, hein, comme n'importe quel verbe, hein. Shimas devient shimashita, shimasen, shimasen deshita, pour avoir les formes passées négatives et passées négatives. Tout ça pour nous amener au thème principal d'aujourd'hui, qui est pouvoir être capable avec l'utilisation de dekimas. Dekimas avec un nom, je suis capable de faire. On reprend les noms qu'on a vu précédemment, les noms qu'on pouvait associer avec seru, et le fait de remplacer qu'on remplace seru par dekimas, ça devient être capable de faire. Nihongo ga dekimas, pardon, rien à voir. Benkyo ga dekimas, je peux étudier par exemple. Je peux étudier. D'autres exemples que vous avez postés sur le Discord que je vous inviterai... Attendez, putain, j'ai tout paumé là. Voilà, que je vous inviterai à voir parce que c'est parce que vous êtes les meilleures références qui puissent exister. Également avec des hobbies, hein, on ne se contente pas que des hobbies. On ne se contente pas que des seru qui se deviennent des kimas. On peut utiliser des noms de discipline, par exemple, Nihongo ga dekimas, c'est là où je me suis emmêlé un peu les pinceaux. Des hobbies, des activités, hein, on a parlé du crochet tout à l'heure, hein, Amimono. Amimono ga dekimas, très bon travail d'ailleurs au Kotoba celui-là. Voilà. Vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez utiliser un verbe aussi, c'est le dernier point qu'on vient de voir. On utilise dekimas avec un verbe pour juste dire je suis capable de insérer le verbe en question. Le verbe à la forme neutre, vous le trouvez directement dans le Jisho. Vous tapez le mot que vous cherchez, vous le tapez en français, en anglais. Enfin, dans le Jisho, il reconnaît que de l'anglais. Et vous avez le verbe qui est déjà conjugué à la bonne forme. Donc vous avez juste à faire un copier-coller du verbe et paf, vous le mettez après, suivi de kotoga dekimas. Taberu kotoga dekimas, je suis capable de manger. Les portes sont ouvertes pour créer d'autres phrases derrière. Et bien entendu, il se décline ce dekimas, dekimas, dekimasen, dekimasen deshita et dekimashita. Incroyable. On arrive au terme de cette Taco Academy. Après 3h36 de japonais ensemble, les amis. 3h36. Fantastique. On va terminer en beauté. On va terminer en beauté. Non, on va pas terminer avec un raid. On va terminer avec cette phrase là qui vient d'être postée là. Qui vient d'être postée dans le chat. Parti.
Jeremy-san wa kurinju desu kara. Jodan ga deki. Jodan ga dekinai. Alors là, on est carrément parti en forme neutre. Incroyable! Incroyable! C'est une très belle transition sur un prochain sujet de la Taku Academy où on verra également comment on va conjuguer les verbes à la forme neutre. Mais parce que Jérémy est cringe, il n'est pas capable de faire des blagues. T'inquiète, eh, franchement, t'inquiète, au contraire, c'est trop bien que t'aies mis la forme neutre parce que justement, je pense que c'est peut-être pas la prochaine, peut-être une taco qui va venir ou quoi. Mais ouais, ça, la forme neutre, c'est quelque chose qui va. Voilà, qui. On l'utilise déjà là, hein, déjà, on en parle un petit peu hein, avec la structure qu'on vient de voir. Et je pense que c'est important, ça va être important de, bah, de poser les mots là-dessus et de dire voilà, la forme neutre, c'est ça en fait. Hein, on en entend parler de temps en temps, on vous dit bah voilà, utilisez juste ça. Te pose pas de questions, utilise-la comme ça. Mais à un moment donné, on va vraiment expliquer ça et ton exemple, bah, ça pourra être un des exemples à garder. Si peut-être tu peux dire peut-être que quelqu'un d'autre est cringe, peut-être que je suis sûr qu'il y a d'autres personnes cringe. Je suis sûr que t'en connais plein. Mais voilà, si ça peut ne pas être moi. Incroyable. Merci à toutes et tous pour vos participations. Merci beaucoup. Merci d'être resté aussi longtemps pour parler de Japon et de japonais. Merci de m'accompagner dans ces petits moments-là. Merci Blinils, merci Cloto, merci Tokatsu, Kamita Isai, bien sûr. Merci beaucoup Yanimakai, perso je suis cringe, bah parfait, voilà, Yanimakai sera le cringe du jour. Celdron aussi, merci pour tes phrases. Emma Opaline qui est partie, Zérémy Matero aussi qui est partie se reposer. Crystal Erna, merci les amis, merci Missilia aussi, merci Reo, arigato gozaimasu, merci Nenya aussi d'avoir fait une jolie phrase. Cilia, courage avec les Pichounes, courage. Merci infiniment, merci beaucoup, j'oublie beaucoup de personnes, hein, Ninja Alex, Bush, Doksha Fat Life aussi, Doksha merci pour le tweet également, merci infiniment, merci beaucoup, n'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat avant qu'on se quitte, avant qu'on parte en stream, en raid, Kurast aussi, arigato Kurast, merci beaucoup. Merci infiniment. Odo-chan, arigato, merci pour le follow. Bienvenue à toi aussi. Bienvenue sur le stream. Bienvenue au Germiland. Let's go. Otsukare ne. Un plaisir de participer à nous. Ah, super, Missy, ah, ça fait plaisir. Cool. Merci à toutes et tous. Alors, je vous rappelle que pour les... comment ça s'appelle ? Pour les fiches récap de la Taku Academy, c'est sur Instagram. Fiche récap de la Taco Academy, c'est sur Instagram que ça se passe. Sur Instagram, je vous ai posté la fiche récap la dernière fois. De la dernière fois d'une des tacos précédentes, je sais plus quel numéro de taco c'était, mais en tout cas vous pouvez aller sur Instagram, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre petit like si ça vous plaît également, n'hésitez pas à le partager, décrire, se décrire avec les adjectifs, une belle fiche, hein. En plus un beau récap sur les adjectifs, ça peut vous servir si jamais, jolie petite fiche que je vous ai sortie tout fraîchement hier en toute fin de soirée, j'espère que ça va vous plaire. Pour Instagram, on se retrouvera mercredi pour un nouveau post autour de la du miam miam japonais, le poste de semaine prochaine il s'annonce incroyable, et vendredi encore pour une nouvelle fiche récap de la Taku Academy. On va continuer comme ça. Vous êtes en manque de contenu d'Instagram, vous êtes en manque de vous instruire, d'apprendre des choses, d'apprendre des curiosités, d'apprendre des jolies choses autour de cette fois notre langue française, n'hésitez pas à passer sur le Instagram de Cloto. Je vous en ai parlé tout à l'heure déjà, je vous en reparle à nouveau. Pourquoi? Parce que Cloto m'aide énormément dans la préparation de la Taku Academy et je tiens à la remercier infiniment. Encore merci pour ton aide, merci pour tout, merci, je ne saurais que trop le dire, donc voilà, en allant, si vous allez sur son, petit compte Instagram, vous allez lui lâcher des petits cœurs et tout, moi ça me fait énormément plaisir aussi de voir que son contenu vous plaît, et que voilà, donc arigato les amis, n'hésitez pas, je vous rappelle son compte Insta qui vient juste d'être lancé, où elle fait un calendrier de l'Avent, c'est trop mignon. Avec plein de choses cool. Je vous laisse aller découvrir ça, vous allez voir. C'est bien cool. Et demain, on te retrouve en stream. À quelle heure demain le stream? Tu sais à peu près l'heure ou grosso modo?
Fin de matinée, ça marche. Impeccable, fin de matinée. Fin de matinée, on se retrouvera donc pour revue de presse littéraire. Incroyable. Ah, bougez pas, on part en raid. Bougez pas, on part en raid. Je crois que je vous ai fait tout le tour. Pour le Germiland. Germiland, prochain stream, ce sera à 10h lundi. Prochain stream, 10h lundi. Let's go, on part en raid. Merci à toutes et tous. Merci infiniment pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. On part en raid, on va chez Martin Martin. Il est en stream pour le Téléthon. Les amis, on va lui envoyer de la force et du courage. Encore un stream spécial autour du Téléthon. C'est parti, on lui envoie un nuage de love, un nuage d'amour aux copains. Let's go. Merci à tout le monde pour les subs, merci à tout le monde pour la participation. On se retrouve lundi à 10h pour le prochain stream. Et d'ici là, faites attention à vous. Postez sur le Discord, on se retrouve sur les streams des amis. Et bon week-end à toutes et tous. J'ai oublié la musique, terrible. Let's go en raid chez Martin Martin, on envoie un nuage de love pour soutenir le Téléthon. Allez, c'est parti chez Martin. Très bon samedi à toutes et tous et très bon week-end. Merci à toi de passer, tranche de cake, merci Ganon de passer. Oh, Germi!